Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue en Console Mania. Bienvenue dans le 30e épisode de la saison 9. Aujourd'hui, on continue et on termine, je pense, Castlevania Bloodlines. Et on démarrera juste après 3 ninjas. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, Ninjas Back. 3 ninjas back, 3 ninjas back, tri. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. On verra bien. Je crois que c'est celui-ci, mais je ne me rappelle plus. Bref, on va y aller. On a le mot de passe. On est au dernier niveau. C'est pour ça que je dis qu'on risque de le terminer. Enfin, je crois que c'est le dernier. Hein. Puisque c'est le cinquième. Donc je suis presque sûr que c'est le. Il y a 5 stages. Après le dernier stage est plus long. Et voilà. Tiens d'ailleurs salut Sev, tu as raté hein, malheureusement. Tu as raté le combat contre le dino hier. Hein. Ne t'inquiète pas, on avait prévu. Hein, de toute façon. De toute façon, c'était prévu. Hop, que t'allais le rater. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Tout était prévu. Allez! Hop! Go password. J'espère que vous entendez bien le son du jeu. Normalement, oui, mais je vais peut-être l'augmenter un petit peu. Yes. Ah. Ah oui, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je ne sais pas regarder. Au secours! Stage 5, waouh, c'est. Ah non, mais esquive absolue, hein, tu es vraiment. Tu es trop forte. Tu es juste trop forte en fait. Juste trop forte. C'était sûr. C'était sûr que t'allais. Mais non, mais c'est. T'inquiète pas, hein, maintenant j'ai l'habitude. Les ninjas d'ici sont très forts. Sont très forts également. Hop. Pour rater. Pour rater ce qui pourrait les intéresser. Mais par contre, ils sont très forts. Alors, par rapport à toi, ils sont très forts pour ne pas rater ce qui ne les intéresse pas. Alors, je sais pas si c'est ton cas, je ne sais pas. Hop. Mais ils sont très très forts pour ça et Hop. Si j'essaie de faire exprès, j'y arriverai pas. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est ce qu'on appelle le talent, hein. Ici, on l'appelle le talent et on se dit franchement que beaucoup sont les personnes qui ont du talent. Vis-à-vis de ça, moi j'admire parce que en plus il faut être constant. Je suis allé voir 3 fois le dino, non, même plus. Je suis allé voir 4 fois, voire 5 fois le dino. Et à chaque fois, quand je l'ai pas tapé, tu étais là. Mais dès que je l'ai tapé, dès que j'ai souhaité le taper, t'étais pas là. Et en plus, le pire, c'est qu'on pourrait se dire non, mais du coup, Sapin t'a fait exprès. Et je vous promets que non. C'est une promesse, je suis sûr de ne pas avoir fait exprès. Ouais. Le destin. Bon, après, le truc, c'est que je cherchais quand même à tuer le dino. Bien sûr. Quelque chose qui. Ah, voilà, ça allait pas te faire plaisir, dirons-nous. Voilà, pas de dino tapé on my watch, exactement. Je comprends, je comprends. Je comprends. Moi, j'ai pas le choix, tu sais. Moi, je joue un rôle, hein, bien sûr. Hein? Hop. J'ai pas le choix de le taper. En plus, surtout, il m'a donné des trucs nuls. J'aurais pu ne pas le taper. Je sais pas si tu te rends compte. J'aurais pu le laisser en vie. Le pauvre!
paf. Bon, bien sûr, sinon, pour parler un peu de notre cher Castlevania Bloodlines, bon, bah, ça sera notre bleu, hein, de toute façon. Je vois pas comment mettre autre chose que notre bleu. C'est masterclass à tous les niveaux. Bon, je sais que c'est un Castlevania moins aimé que les autres. Bon, je sais que, enfin, entre nous, moi, je pense qu'il est moins aimé tout simplement parce que les gens ils ont pas joué. C'est comme toujours, hein. Vous savez, c'est le fameux. La fameuse. La fameuse, difficile d'aimer quelque chose si vous n'y avez pas joué. Après, un des meilleurs jeux d'action, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce qu'on peut dire que. Est-ce qu'on peut dire que. Est-ce que. Ah, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais je sais pas si t'as vu le. Je viens de balancer un. Juste avant de lancer le stream, un petit bait qui a été balancé sur le Reddit de Nintendo qui m'a fait rigoler. Je me suis dit, ah, ils sont chauds là! Bon, c'était pas un bait de ce matin, mais j'avoue, me lever et voir ce petit bait là. Je crois que c'était le bait, c'était. Ça n'a rien à voir avec là avec meilleur jeu d'action de la Mega Drive, mais c'est Pokémon Arceus is more Monster Hunter than Zelda. Et je me suis dit, mais yes! Bah, gagné. Bah, trop bien. C'est vraiment le titre pour dire. Oui, vous pouvez lire l'article, s'il vous plaît. Non, parce que du coup, on savait pas comment vous faire pour lire l'article. Du coup, on s'est dit, si je rajoutais Monster Hunter Zelda avec Pokémon Arceus, normalement, quand tu tapes sur Google un des trois, tu devrais tomber dessus. Yes. Ouais, tu ratises large. Il faut. Ils n'ont pas utilisé le bait Dark Souls. Ah bah peut-être que dans l'article il y a le bait Dark Souls, hein. Tu sais, hein. Déjà pour sortir un titre comme ça, faut être bon. Alors ça me choquerait pas que en plus de balancer ça, ils aient tout donné. Je t'ai vu, toi, hein. Oh mais mec. Allez. Hop. Avec son cimetière là. Cimetière de ses morts. Ouais. Allez. Ah! C'est pas compliqué hein, cette phase, hein. C'est juste que. Faut pas se faire avoir quoi. Il en balance 3 et. C'est. Voilà. L'art du référencement, ouais. Bah, j'ai un pote moi qui travaille dans le. Enfin, qui fait sous. Enfin, qui travaille. Qui s'occupe du référencement et. Moi j'ai toujours vu le référencement comme vraiment une manière de. Un énorme bait quoi. Toujours. Et c'est dommage parce que. Enfin. Je trouve malheureusement que c'est toujours. Enfin, c'est. 95% du temps, c'est mal utilisé. Je dis ça parce que. Avant d'être streamer, encore une fois, le site sur lequel je travaillais, ce qu'il faisait, et il y en a plein de sites qui font ça. C'est que sur le footer, donc sur le bas du site, ou alors sur le haut, ou alors bref, quelque part que tu vois pas, ils foutaient des mots-clés hyper bait, qui n'avaient strict, enfin pas qui n'avaient rien à voir avec le contenu du site, mais bah, c'est ouais, et ça, bon bah voilà, pour certains là du chat, vous connaissez, et le truc c'est que bah c'est malhonnête.
Franchement, c'est malhonnête. Je vois pas autrement que... Oh. Hein? Pourquoi il y a de la bouffe qui était par terre, là? Enfin, j'arrive pas à voir ça autrement que malhonnête, que de manière malhonnête. Enfin, ouais. Et du coup, bah, je me dis si... Ah, d'accord, c'est lui qui a balancé... Ah, sauf qu'il m'a balancé de la bouffe. Ok. Mais un bro? C'est trop un bro, en fait. Et du coup, bah... Pourquoi tu la manges? Bah, j'ai faim. Et du coup, bah, comme ça fait vraiment malhonnête, bah, tu te dis, t'as, c'est une partie de ton taf, c'est ça, bah, c'est chaud, quoi. Toi aussi, tu forces aussi à remettre les liens vers d'autres articles. Ouais, mais après, ça dépend. Ça, par contre, je sais que mon patron, à moi, actuel, c'est-à-dire celle d'elle, me force pas à faire des choses comme ça. Alors, bien sûr, s'il y a possibilité de mettre... de mettre un petit lien vers un jeu, vers le jeu, enfin, le préquel d'un jeu qu'on a déjà, dont on a déjà parlé, ou alors je sais pas, c'est déjà arrivé d'avoir, enfin ça arrive très souvent d'avoir des jeux qui ressemblent à d'autres. Donc voilà, on dit, bon, bah, ce jeu est très inspiré d'eux, et on met le lien, mais... Et bon, ça va, tu vois. Tant que ça parle du... Hop. Tant que ça parle... Tant que le sujet n'est pas... T'en fais pas de la merde, ça va, quoi. Enfin bon, vous l'avez, quoi. Non. Non. Mais non, mais c'est pas possible d'être mauvais. À ce point. Ah. Non mais... Et je regardais le chat. Et regarder le chat, c'est une très mauvaise idée. Surtout quand tu essayes de monter les escaliers. Ah, merde. Oh là là. On va monter, hein. Oh là là. Oh, je vais mourir. Tu le sais que je vais mourir. Tu le sais au fond de toi. Sûr. Par contre, ce passage, moi, je l'ai pas. Je l'ai jamais fait, moi, ce passage-là. Vu que c'est un nouveau passage... Enfin, c'est pas nouveau, mais vu que je l'ai jamais fait avec ce perso-là. Bon, j'ai deux continues encore, vu que on a bien... Vu que j'ai bien économisé mes continues, tout ça... Choper. Hop. Allez. Mais... Au plus de ses morts, ouais. Pardon. Non, on s'énerve, mais faut pas s'énerver. Hop, hop, hop. Voilà, on va pas les tuer. En fait, ça sert à rien de les tuer. Ça sert à rien de les tuer, tu m'entends? Ça sert à rien. Répète après moi, ça ne sert à rien. Oh là là. C'est pas grave. Oh! Il se passe rien. Il se passe R. Je vais récupérer des... Hop. Ça sert à rien, c'est Mister F. Il y a pas mal de maestra technique chez... Oui. Non! Non! J'ai dit non. Je refuse. C'est ça, tu veux tuer tout le monde alors que ça sert à rien. Ah! Ah le bait. C'est vraiment les pires. Hein. Mais je suis content d'avoir joué en difficile, en plus difficile. Ah! Au secours! Ouais, mais comment je fais là? Il y avait sûrement un truc en haut, mais... Est-ce que c'est le moment du... Je sais qu'il y a un moment...
on va être obligé de faire une série de boss. Alors peut-être que ça peut pas être la même chose. Après là il est 0 et c'est fait. Ah, je dis qu'il est 0, il me tue. Yes. Fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bonjour Aféo. Hop. Karma Head, ouais. D'ailleurs, j'ai joué un petit jeu Switch là, ce qui était plutôt sympa, que j'avais acheté pas très cher sur sur l'eShop, qui est d'ailleurs sur sur Android et qui est déjà, je crois, qui est sorti sur 3DS. Bref, je sais plus exactement. Non, je crois pas qu'il soit sorti sur 3DS. Je sais pas. Il s'appelle Part-Time UFO. Qui est un jeu Laboratory, oui. Et c'est vraiment stylé. C'est assez chill. Hop. C'est en gros, t'as un petit. Ah, tu joues un petit alien qui a une pince. Hop. Et le but, c'est de récupérer des objets par terre. Laissé par. Enfin, des objets. Oui, d'aller récupérer des objets et. Ah! Au secours! Et de les disposer d'une certaine manière. Dans un endroit. Bref. Hop! Oh là là! J'en peux plus. Boxbox était. Je sais plus si c'était. Je t'avoue, je veux pas dire des bêtises. Je te dirais bien oui, mais bon. Je vais perdre, on va recommencer. Trop bien. Ouais. Et c'est vraiment cool. C'est très chill, hein, donc faut pas attendre à. Faut pas s'attendre à quelque chose qui bouge dans tous les sens. Ouais, Boxboy, c'est cool. Mais Boxboy, de toute façon, c'est un jeu qui a été malheureusement très peu joué, tout simplement parce qu'il est sur 3DS. Hein. Il est sur. Je crois qu'il est sorti sur Switch. Enfin, je suis sûr que. À cause du fait que 3DS il doit avoir à peu près 0% des gens qui connaissent Boxboy, alors que c'est cool. J'ai abandonné, hein. De toute façon, perso, j'ai abandonné de discuter de certains jeux en dire ah ouais, vous connaissez ça. Si c'est sur 3DS, il y a 99% de chances que non. Et c'est triste. Voilà, c'est juste que la Nimbo est hors de prix. Voilà. Bah, tu lis Kotaku, toi, Jidan, ça c'est sûr. Allez, hop. Faire attention de ne pas se faire choper. Ah, très bien. Oui, Boxboy plus Boxgirl est sorti, ouais. 3DS plus des maths, c'est pas le bon coup de visibilité. Ah non, non, mais je pense vraiment, clairement, je suis presque sûr que la 3DS, il y a aujourd'hui 80 à 80% des gens, ils y ont pas touché. Ils y ont juste pas touché. Ils ont dû y jouer deux, trois premières années, et ils ont sûrement fait, tu vois, les gros jeux, mais je suis presque sûr que... non, c'est sûr. Ouais, c'est Boxboy plus Boxgirl qui est sorti sur Switch. Très très cool. En plus, il coûte que 10 balles. 10 balles. Il y a une démo. Il y a une démo. Il y a beaucoup de jeux sur 3DS par rapport à la DS, mais bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Après, il y a quoi eu, y a quoi comme gros jeu sur 3DS? Alors, comme gros jeu, je sais pas, on va pas avoir la même définition. Après, je pense pas à Yellow Croc que tu sois la bonne personne pour parler de jeu de 3DS, vu qu'à chaque fois qu'on te conseille un jeu, tu es en mode ouais, mais c'est de la 3DS. Donc, du coup, c'est. Alors, je dis pas que t'es de mauvaise foi, mais un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Ah, si j'arrive à avoir le number of games, je crois pas que ça doit être difficile. Je crois pas que ça doit être facile de choper le nombre de jeux. Voilà, donc là, voilà. Écoute, Hello, je vais faire un truc, Hello. Je viens de te dire que tu es de mauvaise foi et qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement ce que je te demande. Tu fais exactement ça en fait. Donc, tu peux pas, tu peux. Voilà, je suis désolé, quand tu cherches comme ça, là aujourd'hui j'ai pas trop envie de rigoler avec ça, je t'avoue. Il y a des choses que je préfère tuer dans l'œuf directement pour pas qu'elle prolifère trop rapidement. Apparemment, Mister Off, il y a 1373 jeux 3DS. Il semblerait. Mais le problème, c'est que c'est comme tu vois, c'est quand tu vas regarder la liste des jeux DS, et salut Baron, quand tu vas regarder la liste des jeux DS, si je mets Number of Games Nintendo DS, là il me dit 2048. 2048. Mais le problème, c'est que dans les 2048, si tu regardes la liste, et j'avais regardé la liste il n'y a pas longtemps, parce que je faisais ma petite sélection, il y a énormément de jeux japonais genre sur 2048 jeux DS, il doit avoir, je sais pas moi, facilement 300, 400 jeux DS, 400 jeux japonais. Donc voilà quoi. Mais là, j'ai la liste des jeux, des 1300 jeux sur Wikipédia, là. Des 1300 jeux 3DS. Donc voilà. Bien sûr, hein, bien sûr, y a que des remakes, hein, bien entendu. Mais oui, il y a masse de jeux 3DS qui sont intéressants. Après, des grosses, grosses sorties. Comme j'ai dit juste avant, je vois pas qu'est-ce que. Il faut définir qu'est-ce qu'on veut dire par grosse sortie. Mais ouais. Ah, sa maman. Sa maman. Vas-y. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux 3DS. Hein. En plus, le truc sur la 3DS, c'est qu'il y a beaucoup de jeux. Et il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de styles différents. En gros, il y a moyen de. Il y a vraiment moyen de. D'avoir tout et n'importe quoi. Hop. Oh, t'es sérieux? Mais hein? Salut Costa. Comment il s'est tapé sur quoi? Non non bah non il vient de se prendre un time out là déjà. Donc je pense que là il va pas. Je pense pas qu'il va en reparler. Ah, c'est tout de suite là? Ah, bah yes! Yes, yes. Et non, je parlais de jeux 3DS parce que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Part-Time UFO, mais je sais pas s'il est sorti. Je vais regarder s'il est sorti sur 3DS. Tiens. Bah, si, pourquoi j'en parlerai pas? Parce que tu dis de la merde très souvent. Voilà. Je vois pas comment le dire différemment. Je crois en fait. Non, je crois que Part-Time UFO est pas sorti sur 3DS. Je crois qu'il est sorti que sur Android.
Je suis presque. Ouais, là je vois, il est. Ouais, donc j'ai joué. J'avais acheté un jeu Switch là, fait par HAL Laboratory, qui s'appelle Partamu UFO, qui est stylé. Et j'étais en train de dire qu'ils sont peut-être sortis le jeu sur 3DS, juste après que Lofab parlait de Box Boy, et on a commencé à discuter de 3DS juste après. Et voilà. Je disais juste qu'il y avait masse de jeux 3DS. Non, non, en fait non. Avant de dire qu'il y avait masse de jeux 3DS, je disais que les gens avaient pas beaucoup joué à la 3DS. Et que c'est un. Que c'est une ludothèque qui est. En fait, c'est pas. Je pense pas qu'elle soit pas connue. Je pense qu'elle est. C'est un peu comme la Wii, tu vois. Il doit avoir une partie des gens qui doivent se dire waouh, ouais, bon, il doit avoir masse de jeux, mais masse de shovelware. Et puis basta, tu vois. Je suis sûr qu'il doit avoir un nombre de personnes non négligeable. Voilà. Aujourd'hui, c'est chiant de se procurer les jeux. Ouais, je crois que c'est toujours ouvert, hein, je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Après, est-ce que t'as envie d'acheter sur l'eShop 3DS? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je crois d'ailleurs que peu de gens te conseilleraient d'acheter sur l'eShop 3DS. Ah yes. D'accord, donc il faut. Alors faut viser quoi là? D'accord, je sais toujours pas ce qu'il faut viser. J'ai jamais fait ce boss. Je n'ai genre juste jamais fait ce boss. Ah d'accord, faut viser le pilier. Ah faut casser juste le pilier. Oh, c'est nul. Enfin, c'est nul. Je pensais à un truc de fou. Ok. Voilà, et si tu te laisses pas. Si tu te laisses pas en. Ah, voilà. Tu te laisses pas. Déborder. Non, mais c'est bon. Il y a un truc qui est bien, c'est le fait de pouvoir viser en dessous de toi. Oh oui, c'est bon. Ouais, normalement, ça devrait aller. Yes. Attends, on est passé de je comprends R à ça passe. Vu que la 3D, c'est avec la D, j'ai l'impression que c'est la Wii U avec la Wii. C'est-à-dire. Grosse partie de mes jeux 3D, c'est des maths, ouais. C'est la vie. Ouais. Avec John, il est genre. Le jeu, c'est pas le même. Hein. C'est clairement pas le même. Clairement pas le même. Je suis co très content que ça soit pas le même d'ailleurs. Enfin, je sais pas, moi sur 3DS. Ah, c'est le papillon! C'est Marie-Antoinette! Le papillon! Enfin, papillon de nuit. Mais pourquoi, pardon, par contre, elle parle pas? Presque sûr qu'elle parlait. Yes. Papillon de lumière, ouais.
Mais non, enfin je sais pas. Tu veux dire que donc du coup tu veux dire Gloucester qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, qu'il n'y a pas beaucoup de jeux 3DS parce que et hein, j'ai pas compris ce que la comparaison entre la Wii U vis-à-vis, non non mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Paf! Tu meurs. On va voir, c'est là qu'elle parle. Mais non! Elle dit hier. T'es nul? Non, c'est toi la compar... C'est moi la comparaison et j'entends que j'ai l'impression que de deux consoles, t'as une incompréhension du public à cause de peut-être du marketing fort. On va recommencer le jeu. Enfin, on va recommencer le stage 5. Elle te parle pas à moi. Ouais, elle me parle pas à moi. Alors oui, je sais, on a fini, mais on recommence parce que j'ai perdu plus de vie. Vous savez, c'est la run à contrainte. Je sais, ouais. En fait, si je fais pas de run à contrainte, le jeu il serait déjà terminé, donc... bah nous on essaie de prendre un peu plus de plaisir quoi. Vous savez le plaisir tout ça. C'est assez fou hein. Donc ouais toi c'est toi Mister Ruff. Ouais. D'accord. Ben mais du coup j'ai pas compris. Mais attends Cluster il a bien dit quelque chose non? Je suis pas fou. J'avais par Time UFO, ça avait l'air rigolo. C'est vraiment, vraiment. Non, t'avais vu? Bah, c'est vraiment cool, hein. Alors, tu vois, je m'attendais pas que par Time UFO soit intéressant. C'est-à-dire. Soit. Tu vois, ça. Faut pas que ça soit. Ouais, je m'attendais que ce soit pas très dur. Voilà. Je m'attendais que ça soit même très basique. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je me suis fait chat-head. Ah ouais, chat-head quand même. Pas du tout, pas du tout. Je dirais même que c'est plus difficile que, que ça en a l'air. Et c'est cool. Même dès le premier monde. Enfin, ouais, il y a plusieurs mondes. Même dès le premier niveau. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Une 360. Après, un 3DS plus marché que la Wii U. Ah, attends. Quoi? J'avoue que la 3... Ah oui, d'accord, j'ai lu Cluster alors que c'était... d'accord, c'était... Mais ils ont... vous avez la même couleur aussi. Mince. Du coup, ouais, j'ai lu Cluster alors que c'était Mister F. Ouais, si c'était... Ouais, Mister F, bon, je... Ça me choque pas, ça me choque pas ce qu'il dit. Pas qu'il est méchant, bien sûr, hein, mais... oui... La méconnaissance, hein. Bah, dans un sens, on peut dire que cette méconnaissance. Bah, j'attends que Mister revienne pour lui dire à lui, mais ça me donne la même impression que vis-à-vis de la PSP. Cette impression, quand certains en parlent, que la PSP. Tu vois, sur PSP, t'as eu Ridge Racer. T'as eu Ridge Racer, t'as eu. Alors, sur PSP, de vraiment connu, t'as eu les. P... Enfin, vraiment connu, que les gens ils ont joué. T'as eu GTA, Ridge Racer, et. Monster Hunter, voilà. Et du coup, bah voilà. Et la console, sinon, bah elle lisait des. Tu pouvais regarder des films, et écouter de la musique. Voilà. Et si, avec la. Avec. Et si, un truc de fou, avec la PSP Go, et si t'as acheté la PSP Go, c'est parce que tu pouvais lire l'heure quand tu fermais la console. Bah oui. Bah oui, bah oui. Et salut, Intello. Si, ah oui, il y a eu Kingdom Hearts, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les émulateurs, voilà. Et si un, et oui, et si un jour t'as acheté une PSP, c'est parce que tu savais que tu pouvais émuler. Incroyable.
D'ailleurs, c'est drôle, mais j'ai une personne dans mon entourage, et attention, c'est pas une blague, et je trouve ça tellement, comment dire, tellement fou. On a une personne dans mon entourage qui a toujours vécu en Grèce bah, toute son enfance, en fait, même son adolescence, tout ça, et qui est venue en France il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas de télé, elle a pas de smartphone de fou ou quoi que ce soit. Du coup, pour écouter la musique, comme bah, les MP3 en Grèce, apparemment, ce qu'elle racontait, c'est pas non plus exceptionnel. Et ben, elle s'est acheté une PSP Go parce que la PSP, bon bah voilà, mine de rien, ça vaut plus rien. Pour faire office de lecteur MP3 parce que c'est moins cher que d'acheter un appareil dédié et bah les smartphones bah bon elle trouvait ça cher alors je pense que à moins vraiment qu'il n'y ait aucune solution fallait vraiment pas de téléphone à un prix acceptable. Mais non, je suis pas. En fait, c'est pas des pics là devant. C'est pas des pics. C'est de l'herbe. Sauf que elle est bleue. Alors bah, on dirait des pics. D'ailleurs, en parlant, enfin en parlant, bah, oui, je suis en train de jouer au jeu, donc bref. Il y a Emeraude qui m'a envoyé du coup un message avec la cote de Castlevania, donc la cote de du jeu en boîte, c'est quand même 120 balles. Hein. J'avoue. Je vais y faire attention. Je vous avoue, je vais peut-être y faire un tout petit peu plus attention. Hein. Alors, enfin, un tout petit peu plus attention. Je vais, ben voilà, on va pas le, je vais pas le mettre sous cellophane, mais bon, à plus cher qu'un Everdrive, hein, ouais. Voilà. On va faire gaffe. On va faire gaffe. Ce serait dommage quand même de. Hein? Hop! Je sais pas pourquoi il est si cher. Est-ce qu'il est si cher parce que. Parce qu'il est peu joué? Enfin, parce qu'il est peu souhaité. Je sais pas. Il a peu été joué. Il est sorti à la fin de la console. Je sais pas. C'est marqué Castlevania sur la boîte. Oui, mais après, regarde, Sonic, il coûte bien. Sonic, il te coûte tellement pas cher que tu peux. Qu'il y a des jeux... Enfin, j'en suis sûr qu'il y en a qui l'ont en cale-porte. Ah oui, le jeu est beau. Ah, oh, oui. Ah mais c'est un Castlevania trop stylé. Il est trop stylé. Alors je sais que c'en est un, c'est un des Castlevania que je connais le mieux parce que bah je l'ai fait plusieurs fois. Après c'est un peu abusé de dire c'est le meilleur parce que bah, c'est un peu un des seuls que j'ai refait plusieurs fois. Mais oui il est beau. Quand j'étais jeune j'avais pété l'écran de ma PSP du coup j'écoutais comme lecteur MP3 parce que je connaissais par cœur comme ils disaient tout. Ah pff, ah là là. Oui Sonic était vendu avec la console c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, bon point. Non mais tu marques un point. J'aime bien ça. Ah, j'adore ce moment-là où je sais que j'ai trop avancé. Je sais que j'ai trop avancé, j'ai envie de lui. Ah, voilà. Alors je fais exactement les mêmes erreurs. Mais la renard contrainte, bordel. Les contraintes! Ouais. Allez, on va être malin. Être malin, c'est important. On va pas trigger le premier. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Si je trigger le premier. C'est pour ça que je suis dans la sauce. Voilà.
Bah ouais. Trop facile en fait. Jeu trop facile. Genre juste trop facile. Hop. Quel talent. Si on avait déjà joué au jeu quoi. Par contre le fait qu'il puisse s'accrocher s'accrocher partout, c'est un peu gimmick, non? On dirait un peu un gimmick. Bah sauf. Voilà. Sauf dans deux écrans. Ah, tu peux me donner du. Merci. Bonne journée. Non mais bonne journée, bonne journée. Genre juste bonne journée. Alors je pense pas que. Hop. Bon, c'est pas très intéressant. Je sais que je peux aller jusqu'au bout. Je sais pas ce qu'il y a jusqu'au bout. Viens là, toi. Là. Je veux savoir ce qu'il y a jusqu'au bout. De toute façon, on s'en fout, on a le temps. On a le temps, on a le temps. Mais en plus, le jeu est beau, les musiques sont bien. Enfin, voilà, quoi. Enfin, du coup, il y a aucun... Tu sais, il y a pas de... Il y a pas de problème. Quel serait le problème? Qui pourrait me dire, oh bah écoute, ce jeu il est nul parce que... Et insérer ici un argument. Bon, après si tu dis le jeu est nul, on part du principe que... Bon bah voilà, t'as du mal à discuter déjà, hein. Hop. Hop. Oh non, non! Allez! Oh. Ce jeu est nul parce que c'est pas Mario. Ouais! T'imagines? Avoir une Mega Drive et dire, bah écoute, ouf, pas Mario quand même. Du coup, un peu déçu. Alors, si vous voulez un Mario. Moi je connais un Mario sur Mega Drive. Hein. Bon, c'est pas très légal, mais je connais un Mario. Oh là là. Alors, on va laisser passer. Voilà, lui là. Ouais. Allez. Ah. Oh magnifique. Je sais pas ce que je viens de faire. Enfin, j'ai pas fait exprès surtout. Ouais. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Voilà. Oh là 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 là, et en plus je colle. Je colle au bon moment. Magnifique. Génie. Je vais être gaffe parce qu'il va mettre un coup de poing là. Très bien. Très bien, très bien. Sorti il y a plus de deux ans après Castlevania 4, est-ce un argument? Je ne sais pas. Bah en fait, c'est-à-dire, tu veux dire, est-ce que c'est un argument? Les gens n'ont pas cherché plus de Castle, n'ont pas cherché Bloodlines parce qu'ils avaient déjà Castlevania 4? Oui, et si je te dis, eh bien, franchement, autant jouer aux deux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est un peu comme si, imaginons... imaginons... tu joues à un Metroid, mais que tu dis, oh, par contre, je joue qu'à un Metroid, quoi. Après, pas les autres. Bah, tant qu'il y en a plus, autant tous les faire, quoi. Tu vois ? Alors, par contre, oh, j'en ai marre. Voilà. Alors là, j'en ai marre. Il faut que je me mouche, secours.
Au secours, au secours. Ouais. Mais surtout qu'ils sont bons en fait. Surtout qu'ils sont bons. Bon, c'est chaud de faire une vie, hein, de faire le jeu avec. Enfin, de faire le niveau avec au moins qu'une vie. Mais c'est faisable, hein. C'est juste. J'ai pas été. Oh non, j'ai pas sauté. J'ai pas été très bon sur un des passages. C'est pas forcément une licence très connue chez les possesseurs de. Enfin chez les possesseurs, pardon. Chez les possesseurs bien sûr. Yes. Chez les possesseurs de Mega Drive. Peut-être, je sais pas. Moi j'étais pas. Hein. J'ai pas de. Trop bien. Bah non, vraiment trop fort. Hein. Allez. Ouais, pour l'instant ça va. Ah, y'a pas de boss. Y'a clairement pas de boss là. Hein. Y'a pas de boss. Y'a juste pas de boss. Eh salut, y'a pas de boss. Poussez-vous, y'a pas de boss. Ah donc là si Marie-Antoinette... Oh non, pourquoi j'ai pris ça? Ah c'est bon. Là si si Antoinette elle m'embête pas, c'est gagné. Antoinette! Enfin Marie! Non. Oh, je suis mauvais. C'est bon. Yes. Ben voilà, une vie. Mission complete. Parce que Castlevania est justement associé à l'écosystème Nintendo à l'époque. Peut-être, peut-être, hein, peut-être. Hein. Franchement, là, moi, je vous crois. Hein. Moi, quand j'étais gamin, de toute façon, le jeu vidéo, n'oubliez pas, voilà. Hein. Photo, photo, photo. Donc j'ai encore deux continues. Ça doit être vraiment la fin. Parce que ça doit... Oui, c'est la fin. Donc du coup, bah là, il n'y a plus besoin de respecter. Hop. Plus besoin de respecter, hein. On respecte plus rien maintenant. Comme le jeu vient pas de me respecter là. Mmh. Alors là tu vas me dire. Tu comprends ce qui se passe. Et je vais te dire. Oui. Et je vais te dire. Quel jeu de ces morts. Ce jeu de double peine, c'est.
Déjà, c'était identifié comme une licence Nintendo, du coup ça passait pour un hors-série, qui compte moins, de plus sorti très tard dans la meilleure def, était en perte de vitesse, ok. On est d'accord que là, je passe pas là. Est-ce que je peux m'accrocher sur... Parce que là, je passe pas, hein. Ah si! Ah d'accord, il était là! Non, bon, je vais tomber. Mais attends, mais il y a... est-ce que quelqu'un peut me confirmer, est-ce que cette phase-là, elle est avec... avec Eric? S'il vous plaît. Parce que j'ai un gros doute, là. Oh non! On achetait ce qu'on avait sur notre console. Oui, c'est vrai, non mais oui. Tête de misette tellement ça va, ouais. J'espère que la semaine AK est sortie un donc au moment de la hype, c'est... Oui. Tu taffes aujourd'hui, Hop, Yoritomo? Ah, oh là là! Faut faire gaffe quand même! Ah, je sais. Ah, c'est... Non, non. Ah bah, elle vient prendre le train, là, à Lyon, là. Il reste des Metroid Dread à Lyon, hein. Allez, viens, c'est bon. En plus... Je comprends pas. Je sais pas où il est, en fait. Je sais pas. Je sais... Nocé. Ouais. Mais attends, si. Comment je fais pour sauter jusqu'à là, là? C'est pas un saut qui est just? Ah, mais je suis con! Je peux avancer encore? Bah oui. Idiot. Il est idiot. Oh là là, mais je comprends rien! il me semble que cette phase, faut juste regarder les pieds. Fume mes pieds, ouais. Vas-y, je regarde mes pieds. Je peux te dire, je regarde mes pieds, là. Oh, j'ai tout perdu. Ma dignité. Ouais, soit un fétichiste. Oh bah oui, oh bah. Non mais attends, mais c'est pas. Non. Ah, faut que j'aille voir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Eric, il joue pas comme ça. Alors, Eric, Castlevania. Castlevania. Eric le card. Oui. T'as mis le lien, putain. Bon bah c'est pas grave. Quoi? Pourquoi t'as que 5 stages? Pourtant c'est un... Quoi? Quoi? Il est bourré? Donc là... Bah non, il y a 6 stages, c'est juste... Je regarde, hein. Ah mais non, il y est aussi avec Eric. Oh, je me rappelle pas de ça. Je suis complètement bourré. Ah, je suis bourré. Je suis bourré. Ouais. Je pars chez des amis ce week-end, je sais pas si le train passe à Lyon. Tiens, tu pars toujours chez des amis... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc en fait, tu veux pas vraiment jouer. Yoritomo. Non, mais t'aurais dû le dire. Bon, après, Yoritomo. Eh. Hey Yoritomo, hey. Tu veux un tips? Si tu veux, j'ai un tips pour toi. Fais-moi confiance. 100% honnête.
Hop. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah bah attends. Je te passe un lien. Je te passe un lien. Et tu peux jouer à Metroid Dread maintenant. Genre maintenant. Bon alors par contre, tu peux y jouer. Mais faudra faire des concessions. Mais tu peux y jouer. Alors les concessions, tu vas me dire, d'accord, sapin, quelles sont les concessions? Bah faut abandonner beaucoup de choses, hein. J'en ai marre de moi. Déjà, faut abandonner, ouais. Oh! Oh, magnifique! Non, je demande un prix Nobel, rien que pour ce que je viens de faire, s'il vous plaît. Ah oui, un prix Nobel, hein. Je l'ai tapé sans savoir qu'il était là. Et par contre, je suis nul. Si t'as besoin d'un type, je suis là. Non, 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 non. Pas besoin de tips avec... pas lui. Non, mais j'ai commandé le jeu, je le reçois demain. Ah, c'est dommage, on est dimanche demain. On est dimanche demain. J'ai abandonné 40 balles, je vais recevoir le jeu, c'est bon. Oh là là. Le plus, c'est que je peux pas changer la date de livraison et je suis pas là ce week-end. Ah. Donc tu vois, c'est ouais. Je reçois les colis le dimanche. Ah bon? Amazon. Ah ok, d'accord. Ok. Non mais en fait cette version, vous savez que cette version émulation là, j'ai tellement envie, enfin je crois que c'est tellement drôle, j'ai tellement envie juste de montrer qu'il y a rien qui va. Ah là là. Mais arrête! J'en peux plus. Juste envie de la jouer pour montrer qu'il y a un qui va. Ok. Pouette. Je sais pas où elle est. Je sais toujours pas où elle est. Je sais pas où je suis. Qu'êtes-vous? Ouais, tout va bien. Je sais pas. Finalement, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est... Mais bon, c'est passé. Je vais mourir de manière nulle. Tu fais de l'émulation, tu es tombé malade. Non, non, mais c'est juste que je me suis fait bait. Je me suis fait bait et en fait, je crois que plus je me fais bait, plus je trouve ça drôle, vu que le bait est mauvais. J'avoue que quand le bait est mauvais, j'aime bien le consommer. Si ça craque. Je consomme ce qui est mauvais en fait. Ah! J'ai dit que je consomme ce qui est mauvais, le jeu il s'est littéralement arrêté. La manette ne fonctionne plus. Trop bien. Le jeu a fait non.
Bah tu consommes ce qui est mauvais, bah pas moi. Ok. Du coup, tu confirmes, tu es tombé malade. Bah non. Non, non, non. Non, mais ça, c'est la faute de... c'est la faute de qui, là, aujourd'hui? Je sais pas. Mister F, il est revenu? T'es revenu, Mister F, ou pas? Il s'est pas fait chat-tête pendant 800 ans quand même. Oui, mais j'essaye de trouver un jeu pour mon neveu. Ah. Pourquoi? Non mais fais pas ça. Pauvre neveu. Il a pas mérité ça. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah oui. Yes. Triggered. Triggered. C'est pareil, cette phase, je la me rappelle plus. Mais pourquoi je me rappelle plus de rien? En fait, j'ai pas joué au jeu. Pourtant, je sais. Hein, j'ai joué au jeu. Pouette. Bah c'est quoi cet endroit nul là? Tout est nul. Bon là je vais me faire tout shot. Je veux faire lequel? Non! Ah bah. Oh bah si. Non. Non et en fait si. Moi je veux faire ça. J'ai. Non. Moi je veux faire ça. Non mais arrête d'être mauvais. Merci. Trop bien, trop beau. Non, 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 non. Le problème c'est qu'il a 5 ans et qu'il veut pas jouer à des Adibou et autres. Bah je sais pas, tu lui donnes n'importe quel Mario là, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu miaules là? Non, je veux la chauve-souris. Merci. Ouais, un petit Kirby, là. Mets-lui Kirby Game Boy, là. Très bien, ça, Kirby Game Boy. Donne-lui ça, là. Je suis mauvais, hein. Mais au secours! Ouais. Petit Docteur Mario, ouais. Oh oui, ça peut le faire aussi, j'avoue. Yes. Il dépasse pas le troisième level. Bah c'est pas grave. Bah il a qu'à... Il abandonne trop vite. Okay.
Ouais. Très bien. Très bien. Très bien. Monsieur, faut mourir maintenant. C'est bon. C'est quoi cette chose? C'est un. Bah, c'est. Bah, maintenant, c'est plus rien. C'est un peu une pile of shit. Volgar the Viking a 5 ans. Ça l'avait calmé. Ça l'a calmé pendant 3 ans au JV. C'est une blague. Un Pilot Wings, oui, il y en a plein. Cogman, ouais. Allez. Non mais non. Tu es mort. Non mais voilà, il y a plein de jeux là. Mister F, il fait pas d'efforts aussi. Mister F, fait des efforts, bordel. De quoi il en veut plus? Mais tu lui dis, bah c'est tout ou rien. C'est où ça ou rien? Attends, tu vas pas lui mettre Cyberpunk 2077, non, aussi? Non, mais avant, les enfants, ils étaient pas si chiants, hein! Oh non, j'en ai marre d'être mauvais. En plus je bourre là. Y'a un qui va. Ah ouais. Bah tu vois, je me rappelle de R. Promotion des Mario, un petit jeu de course, de mon temps, on savait jouer au JV. Bah ouais. Mais lui des claques. Puzzle Bubble sur SNES, j'avoue. J'ai mis Mario Deluxe le temps que j'ai discuté avec vous, je viens d'entendre les menus de la Switch. Aïe. Mais je m'énerve pas. Je suis jamais énervé. Je suis jamais énervé. Ah non! Ah dommage, j'ai ouais. J'aurais pu faire ça. Laisse-le râler un coup et se dire que c'est pas si mal. Hein. Ouais.
vie de père, tu lui proposes un set de 5-6 jeux, tu lui dis que tant qu'il n'en a pas fini un, il n'en a pas d'autre. Ah, mais en fait, c'est juste moi qui est nul. Si je la tape pas encore une fois, tu peux lancer un Adibou. Bah moi je veux bien lancer un Adibou. Hein. Mais pas de problème. Hein. Juste pour voir. Quand tu veux. Hein. Il n'y en a pas de récent? Bah voilà. Bah ça sert à rien. Mais il est vraiment... C'est vraiment ça ce boss? Oh non, je sais ce qui va se passer. Non. Ah, je trouve pas de jeu récent pour l'apprentissage. Hein. Heroes of Magic avec... Ouais. J'ai dit éducation, quoi. Pourquoi ça marche pas avec mes propres neveux? Non mais ça marche pas parce que peut-être que tu leur as laissé, je sais pas. Peut-être que t'as été trop sympa. Ils ont eu la possibilité de dire non une fois. Toi, t'as pas su dire, dire non et maintenant, bah, il sait qu'il peut te touiller et voilà quoi. Garde, moi aussi, hein, ça fait pareil avec l'enfant Hilo Croc. Hein. J'ai pas su être autoritaire une fois et maintenant, bah, depuis ce temps-là. Bah voilà. Alors que si on avait calmé le coup tout de suite, bah aujourd'hui peut-être qu'il aurait fait de grandes études, hein, bien sûr. voilà. Bien sûr. Un cuisinier, c'est pas mal, j'avoue. Oh, ça va, on est dans le... on fait la même chose, Yellow, ça va. C'est juste que...
on est tous les... Regarde, on fait la même chose, on est tous les deux de... on est tous les deux devant des caméras. Bien étiré ça. Mais non! J'étais en train de faire un... Oh, c'était génial là, ce qui était en train de se passer. Oh non! Oh, j'avais tellement envie de me la péter juste après. Bien, non, mais... Arrête. Même pas. Nul. Je croyais qu'il était pêcheur, Hello. Ouais, non. Dommage! Je suis mauvais, ça y est, j'ai plus le timing. Ah non, mais là j'ai plus le timing du tout là. Y'a rien qui va. Il y avait des PC, c'était bizarre, c'était en 94, on avait des jeux éducatifs de filles avec des petits bonhommes qui ressemblaient à des patates. Il n'y avait pas besoin de savoir lire, les mini-jeux éducatifs s'enchaînaient bien, on aimait bien, je sais plus le nom, mais genre il y avait un jeu pour apprendre les couleurs en créant des pizzas. Non mais c'est bon là, de toute façon, là il gère son... Il gère, Mr. Ruff, et s'il n'arrive pas à gérer, bah... C'est lui qui s'est foutu dans la merde, hein. J'ai envie de te dire. Hein. Quoi, je viens de me faire deux fois de suite là. Je bourre là. Hein. Y a rien qui va, on est d'accord. Y a rien qui va. Non mais c'est la mort. Alors je crois que... Je crois que voilà. Je crois que si tu fais ça... Je crois qu'il y a moyen de le stock. Je suis pas sûr mais je crois qu'il y a moyen de le stock. Presque sûr qu'il y a moyen de le stock. Femilis, bonjour. En fait c'est le jeu qui te bait, il te fait croire que t'es bon jeu puis paf dans la... un coup dans la nuque. Ouais. Après c'est long donc... Le jeu, le boss est pas dur, c'est juste faut pas, faut voilà, too much. Oh là là, j'existe pas. Bien. Oui, c'est le boss final. Mais après, on a commencé le stream, on était déjà au dernier stage. C'est pour ça. Ça aide. Mmh.
Oh là là, mais. Oh, mais c'est masterclass. Masterclass qui sont en train de ce qui est en train de se passer. Oh, mais c'est pas possible! Masterclass. Je vais mourir là. Ouais. Je crois que c'est bon. J'ai dit je crois, non? C'est bon, hein? C'est bon. C'est le même quand tu jouais avec quand tu jouais avec Eric ou pas? Demandons à Guilla, vu que Guilla il m'a envoyé la vidéo. Tu dois l'avoir encore dans ton presse-papier. Et merci pour vos GG. Je me demande si en fait j'avais pas joué en normal, en facile. Non, tu peux pas jouer en facile. Merci. Félicitations. Merci Agbado. Merci pour ton 23e mois de suba. Plaisir. Je regarde. Oh, c'est gentil, il m'a même passé le boss. Pour me montrer que c'est exactement le même. Ouais. Bah ouais, en fait tout est pareil, tout, sauf certains niveaux là, mais tout est pareil. Voilà, trop bien, je suis pressé de refaire le jeu dans 4 ans et de dire « Oh là là, mais dis donc, je l'ai pas fait ça !» Merci Avi pour tes 500 bits. Du coup, bah c'était très bien, hein. C'était très bien. Aucun problème, hein. J'ai été content, je suis content d'avoir de m'être mis des contraintes. Ça m'a juste permis de jouer plus longtemps. Et on aime bien jouer plus longtemps. Hop. Surtout à des bons jeux. C'était un peu le jeu pour... J'ai oublié Console Mania, j'ai oublié tout ce qu'il y avait autour, là. Y a... Ouais, on était juste en train de jouer à des bons jeux. Merci Scarbrut pour tes 5 abonnements. Fait plaisir. On était autre part, là. On était vraiment... J'avais l'impression que... Ouais. Je sais pas. Je faisais quelque chose d'autre, j'étais dans une autre réalité. Ouais, on passait que un bon moment. C'est fou quand même. Ouais. Oh oui, bah heureusement que tu peux pas donner, Coqui. J'ai entendu ce que t'as dit sur ton live. Ouais, la prochaine fois que tu donnes, tu vas voir. On va te donner, ouais. Donne, tu vas voir, moi je vais te donner, moi. non mais oh. Un autre sapin dans un univers où il s'amuse, ouais. Voilà. Victoire! Merci, la Etolama, merci pour ton tiers 2. Merci pour ton 19e mois. Et ne t'inquiète pas, Coqui, tu m'as déjà donné Blade Dancer. Ça vaut au moins des centaines et des centaines de subs. Au moins! Et merci, Mélis, c'est très gentil de ta part. Merci pour ces 200 subs, merci Big Jim pour ces 500. Jackpot! Et on passe à l'écran que tout le monde attend, bien sûr. Hop, on passe à l'écran de tous les jeux. Jackpot! Merci Cluster pour les 600 bets.
Yes. En plus, aujourd'hui, c'est comme il y a 3 semaines, on esquive les streams Metroid pour pas se faire spoil. Il y a 3 semaines, c'était Tales of Arise. Ah bah oui. C'est le moment où les jeux sortent, hein. Oh, on est sur du bleu, là. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous sommes sur du bleu. Castlevania Bloodlines. Castlevania Bloodlines, s'il te plaît. Elle a fini avec une petite note bleue. C'est beau, là, ce qui se passe. J'ai pas fait exprès, mais regardez. Deux oranges, un rouge. Bon, le Musia, c'était la... Donc, oui, je vous montre. Deux oranges, un petit rouge, deux bleus, deux oranges. Bon, après, quatre verts. Mais il y a un truc, il y a une Ah, c'est harmonieux. C'est harmonieux. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Bref, là, tout de suite, comme vous pouvez le voir sur la liste, on va jouer à 3 ninjas kickback. Ninjas, bien sûr. Et voilà. Voilà, voilà. On espère que ça va être bien. Oui, je pense que ça va être bien. Hein. Voilà, je pense que ça va être bien. Enfin, je pense que ça va être bien. Non, je pense pas que ça va être bien. Ça va pas être note bleue, ça va être sympa, sans être éclatant. Mais... Hop. Alors, je vais essayer de pas casser la boîte. Ça serait bien. C'était quelque chose en film, j'ai adoré quand j'étais petit. Genre, je sais que c'est tiré d'un film. Je sais pas... Hop là. Je sais pas si ce film est bien. Bon, bah, je sais pas si je dois te faire confiance, Velzou, non, mais... bon, tant que c'est pas Jidan qui me parle de film, normalement, je peux faire confiance aux gens, hein. Ouais, ne demandez pas à Jidan, bien sûr, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, on va passer sur la Super NES. Je suis à vous dans moins de 1 minute. Hop. Voilà. Elle est là. Elle est jolie, la Super NT. Je la trouve plus jolie que la Mega SG. Bon, vous la voyez pas, mais... Mais elle est jolie. Dites-vous qu'elle est jolie, c'est le plus important. Hop. Du coup, je prends le nom du jeu. C'est oui. De quel film j'ai bien parlé alors que j'aurais pas dû? Mais non, mais t'es bon, des bons publics. Donc, à 99% de chance que quand tu parles d'un film, d'un jeu, d'un truc, t'aimes bien. Mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit, c'est plus une force qu'une faiblesse. Hein. Mais c'est comme ça. Hop. Alors, vous voyez pas ce que je fais. Eh oui. Je à coup. Je à coup. Ah, trop bien, la console se lance pas. Trop yimbe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la console se lance pas? Peut-être parce que j'ai pas branché le câble USB de la console. C'est peut-être pour ça. Ah, c'est fou. Ah bah oui, si tu lances pas la console, ça marche pas. Je suis chiant en film. Ah bon? Comment ça, t'es chiant en film? Mytho. Mytho. C'est pas toi la dernière fois qui parlait de je ne sais quoi, quel film que t'as vu et qu'en fait que t'as bien aimé, et puis je sais pas quoi, et puis voilà. Alors, 3 ninjas machin, ça doit être dans... Ça doit être dans quoi? Bah c'est là. Trop bien. Trop bien, trop bien. Paf. Yes. Un jeu Sony. Ah, trop trop bing. Rip Kenaji d'ailleurs, qui nous proposait une fois par mois tous les films Karate Kid. Je sais plus parler. En fait, je sais plus parler. Hop. Donc, est-ce qu'il faut regarder le manuel? Moi, je pense qu'il faut regarder le manuel. Donc, on va aller regarder le manuel. Et il doit sûrement... parce que vu qu'il y a 3 persos différents... Et je sais pas si on va jouer les 3 persos. Alors le jeu est pas très joli. Mais je crois qu'il est pas trop mal. Vraiment, je crois qu'il est pas trop mal. Ouais. Je trouve pas le PDF, si. Je l'ai trouvé. Alors, je l'ai trouvé sur Mega CD, dommage.
Au secours. SNES Manual. Je crois que j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Allez, c'est le moment manuel que tout le monde attend, comme à chaque fois. Visuellement, je trouve pas ça extrêmement beau non plus, faut peut-être pas abuser. Donc, introduction, l'histoire. J'adore l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'histoire. L'histoire. Le nombre de stages. Hop. Il semblerait qu'il y ait 5 stages dans le jeu. Très bien. Ça, c'est cool, ça. J'adore quand on te propose un schéma de la manette avec marqué. Alors, le bouton B, c'est le bouton B. Le bouton A, c'est le bouton A. Alors, sache que le pad directionnel, c'est le pad directionnel. Génial. Merci. On contrôle, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Trigger, ouais. C'est pour mieux se repérer, bien sûr. Ouais, B c'est pour sauter. X c'est bombe, button. Il n'y a pas de Y. Pas de X, pardon. Bah si, il n'y a pas de Y. Plutôt. Combine action. Waouh, ces images. Donne, ouais. Sure, jump. Oui, press down. Ouais. You can drop down. Oui. Hein, quoi? You press down. You can drop down through and also grab. Ah, d'accord, on peut se mettre. D'accord, on peut grab une plateforme si on. Ouais, d'accord. Oui. Up plus A, ça fait un truc. On peut bloquer, très bien. Et ça, c'est les méchants. Très bien. Difficulté, on va jouer en normal, logique. On obtient des vies tous les 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 points. Les objets. Très bien. On peut choisir, ah voilà, les différents persos, et après c'est, apparemment c'est terminé. Après il n'y a plus rien à voir. Donc qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Qui faut que je choisisse? Donc Rocky joue avec un bâton. Colt avec une épée. Et Tum Tum avec un Sai. Autant vous dire que le Sai, je veux pas jouer le Sai. Je pense qu'on va jouer le bâton. On va jouer Rocky là. Ouais, je pense qu'on va jouer Rocky. Allez. Donc spécial move and object. Oui, oui. Trampoline. Très bien. Bon, on verra. C'est normal que c'est pris feuillet par feuillet. On voit la marque des agrafes. Oui. Ah, tu veux dire que. Oui. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, les pages, elles se suivent pas normalement. Ok. Oui, parce que 14 et 5. Oui, oui, d'accord. Et là, donc, du coup, c'est 1 et 18. Oui, oui, oui. Merci. Merci pour l'info. C'est vrai que... il avait pas remarqué. Bah non, j'ai pas remarqué. Puisque bon, bah... Pff. En vrai, je sais pas. Comment... Enfin, t'avances... y a rien. Ah bah si, merde, ça. Ouais, bah ça se remarque pas. Ouais, bah c'est bon, hein. Hein. Allez. Allez, allez. L'histoire des contrôles. Bah l'histoire, ça avait une page, après il y avait les contrôles, c'est bon, calmez-vous. Non mais j'ai pas d'excuses. J'ai juste pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Ah très bien, Célia vient de se lever, elle va pouvoir m'amener des chaussettes. Je l'appelle de ce pas. Elle va être contente. Alors.
Elle arrive! Ah là là, elle arrive. Elle arrive, hein. En plus, elle vient de se lever, elle va être fraîche, mais bien, bien. Merci! Ça va? Ouais. Waouh! Hey, 11h21, oh! T'as tellement bien dormi. C'est vrai? Tiens, montre ton tatouage aux gens, là. Attends, mets-toi un peu plus par là. Voilà. Ah bah, personne ne voit rien, parfait. Non, mais personne ne voit rien, c'est parfait. Personne n'a rien vu. Attention que je ne t'écrase pas les pieds. Allez, petites chaussettes. Oh, des chaussettes Moumine en plus, regardez. Oh là 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 là. Mes chaussettes Moumine. Made in Grenoble, oui. Hop. Hop. Ah. Photo coupée, ça se remarque pas, c'est un hommage à... Black... Oui, voilà, merci Akbado, tu vois? Vous voyez? Enfin, vous voyez? Akbado, il a compris. Donc, on a dit qu'on choisit Rocky. D'accord, c'est bien. Sympa, sympa. Sympa, oui. Sympa, sapin, ouais. Just about... Ouais, 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 oui, oui. Oui, d'accord, oui. There is a legend about... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il y a gentil, méchant. Oh là, pff, ah, c'est long. Ouais, j'ai voulu lire et puis il a commencé à me parler d'une dague qui ouvre un truc et puis il y a un, et puis il y a un enfant. J'ai arrêté. Voilà. Ah, il y a du temps. Oh, trop bien. Oh yes. Ah, ça commence bien. Oh ouais. Bah attends, what the fuck. Le jeu, il m'a déjà ramassé. Hein. Quoi. D'accord. Mais c'est connu comme un jeu difficile? Parce que là j'ai un doute là. D'accord. Ok. Ouais. Bon, en fait ça va. Ça c'est mon pote le vieux ou... C'est connu, oui c'est connu. Parce que le jeu il coûte cher. Messumania. D'ailleurs on pourrait le vérifier. Le jeu coûte cher, hein. Je crois que le jeu coûte cher. Alors tu vas me dire, bah, c'est parce qu'il coûte cher qu'il est connu. Non, mais hop. Full screen. Oui. Hop là. Si je tape, non, pas un code barre. Où il faut chercher? Rechercher un jeu. Oui, ça doit être là en fait. Si je mets. Alors oui, je suis en train de regarder pas le bon écran. Pour marquer le nom du jeu. Bah yes, trop bien. Bah c'est cool en fait. Parce que bah j'ai pas trouvé. Non. Console, PS... Ah, c'est trop bien, il y a tout sauf que tu veux. Eh ben, très bien. Voilà, ça coûte cher. Allez, croyez-moi sur parole. Voilà. Croyez-moi sur parole. Ah, trop bien, le feu. Mais, on peut jeter des bombes. J'en ai pas, j'ai pas de bombes. Ok. Il y a peut-être un vrai nom chez nous, peut-être. C'est un peu Dark Souls. Bah oui, bah il va un feu, c'est Dark Souls. Pour l'instant, je sais pas, je comprends pas trop ce qui m'arrive.
Donc je balance des shurikens, très bien. Ok. Après, il va falloir s'y faire, hein, c'est comme tout. Hein. One up. Ouais. Ouais. Donc ça, ça doit être des bonus. Ah oui, j'ai eu one up parce que j'ai chopé... j'avais 10 000 points. Enfin, j'ai eu 10 000 points. Ouais. Ouais, la musique, ça va. Bon, après, elle est un peu répétitive, hein, on va pas se mentir. Alors, pour se protéger... Non, c'est juste haut. Mais, allô ? Oui. Très bien. Ma barre de vie, elle est où ? Ah, j'ai trouvé ma barre de vie, c'est bon. J'ai trouvé ma barre de vie. Genre là, j'ai plus qu'un point de vie. Et là, j'ai des bombes. Yes, très bien. Donc là, je viens de lâcher une bombe. Hein ? Pour lâcher une bombe ? Ok. Mais genre, ça lâche la bombe à mes pieds ? C'est nul ? À quoi ça sert ? Ah ! Sa mère ! Pardon. Enfin, sa maman. Non mais, s'il te plaît ! Ah, j'ai pas lu. C'est terminé. On recommence tout ! Oh là là, je crois que j'ai fait un, je crois que j'ai fait un choix pas ouf, là. Oh là là. Mais allez, de toute façon, tout va bien. J'ai confiance. J'ai jamais été déçu par mes choix. J'ai jamais fait des mauvais choix, d'ailleurs. Voilà, regardez là. Là, c'est smooth. Regardez comment c'est smooth. Gratuit. Cette saison manquait un peu de sensations. Oh, bah ça va, on en a eu des sensations, quand même. Enfin, vous avez déjà oublié qu'on a joué à Dragon Warrior ? Vous avez déjà oublié qu'on a fait Zillion ? C'est Yoritomo, il a déjà oublié. Il a déjà oublié qu'il a failli... qu'il a failli finir en prison. En fait, j'aimerais bien comprendre... Ah, c'est quand j'ai tous mes points de vie que j'ai... Mais je peux garder, je peux garder. Enfin, c'est quand j'ai tous mes points de vie, je peux envoyer des shurikens ou peut-être pas. Je sais pas. Il aurait fallu lire le manuel. T'as toujours été confiant pour Zillion ? T'as toujours été confiant pour Zillion ? Genre là, devant tout le monde, tu serais capable de dire j'ai toujours été toujours. Mais non, mais ça me fait je me fais toucher devant la France entière. Et si je demande à n'importe qui dans le chat, il va me dire. Écoute, il a toujours été confiant. Tu veux qu'on chatte le manuel pour toi ? Non, 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 je verrai d'exemple. Oh oui. D'accord.
Ah! Non mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de voir Yoritomo que... Ouais, maintenant je sais à quel âge... je sais à quel âge on commence à perdre la mémoire, quoi. Parfait. Ça m'aidera pour mes... pour plus tard. Ah. Est-ce que j'ai gardé là? Je sais pas. Genre, y a rien qui s'est bien passé. Ah non, mais c'est pas grave. Bah écoute, tiens, perdre la mémoire, c'est pas la fin. Hein. C'est parfois. Bah, comme ça, au moins, tu pourras rejouer au jeu sans les avoir fait. Enfin, quand tu les auras déjà fait. T'as déjà fait un jeu, tu pourras le refaire même parce que t'auras oublié quoi. Enfin, je. Enfin, tu m'as compris quoi. Non, mais s'il te plaît, le jeu. Bah, c'est petit. C'est juste que pour Zillion, t'as eu quand même de la chance. Non, bah tu peux pas garder, hein. Je m'excuse. Hein. Tu peux pas garder tous les coups, je pense. Tu dois pas pouvoir garder les projectiles. Hop. C'est un peu nul de pas pouvoir les garder les projectiles. Donc là tu peux pas passer, c'est pour ça qu'il faut aller à gauche. Bah j'oublierai pas ça, t'inquiète. Oh, mais t'es sérieux? Et j'ai souffert sur Zillion au début hein. Et pourtant on se parle encore hein. Donc c'est même si j'ai souffert, tu vois, j'ai été fort. Et j'ai continué. Je suis allé de l'avant. Voilà. Hop, ce qui n'aurait pas été le cas pour tout le monde. Hein. Hop. Non, 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 Super Syndrome de Stockholm, ça va, le jeu était cool. Ça passe les murs? Oh l'enfer. L'enfer, ça passe les murs. Ah. Oh mais what? On recommence tout. Je suis sûr qu'une partie de toi a pris... Mais oui, c'est Winnie. Mais c'est ce que j'ai dit déjà. Il a oublié. Il a déjà oublié en fait. Comment reprendre la vie? Comme ça, il y a une sorte de pomme. De pomme ninja. Et faut prendre ces pommes ninja pour. Hop là. Mais en vrai, si j'avais pas aimé faire la map. Le jeu il aurait fini aux oubliettes, mais de toute façon tu savais que j'aimais faire la map. Donc on peut pas. J'aimerais bien trouver un moyen pour que le vieux. Je puisse le. Comment dire. Savoir où il va popper. Enfin, éviter qu'il me tape, quoi. Enfin, éviter qu'il me fasse mal.
Non mais... Ah. C'est chiant, c'est dommage parce que là... Ça fait 4 fois, ça fait 3 fois que je recommence ce niveau. J'aurais bien apprécié. Voilà que lui, là il... Voilà, il se passe pas des trucs comme ça. Ou du coup je suis obligé de bourrer sur lui. Aïe aïe, ah là là, ouais non mais... Ah! Mais j'ai plus de batterie aussi! Oh mais c'est pas possible quand même d'avoir plus de batterie sur aucun, sur rien du tout. Et là quelqu'un va me dire... Exactement! T'as tout à fait raison, Radius. Il faut que je charge mes manettes. T'as tout à fait raison. Et ça me fait vraiment plaisir que tu me le dis de cette manière-là. Pour tes... Ouais. Peut-être un peu énervé, mais bon. Quel étrange dialecte, ouais, ouais, bah... Ça, hein, c'est le langage de vieux, je pense. C'est... Oui, j'ai eu 2 fois. Félicitations! Merci, Radius. Et merci pour ton 44e mois en bel... Bien sûr, fait plaisir. Non, ah, mais non, mais s'il te plaît. Non, mais du coup, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, Yoritomo? Il se rend pas compte. D'accord. Là, il y a le vieux. Je vais me prendre un vieux, là. Je suis sûr que je vais me prendre un vieux. Ok. Par contre, les 46 secondes, je pense que c'est pas fou. Ah, j'ai pris un pic à l'autre bout de l'écran. Ouais. Non. Ouais. J'aimerais juste finir le niveau. Là, mon objectif, c'est finir le niveau. Voilà. Je... C'est tout. Il n'y aura plus qu'à pouvoir... Ouais, c'est vrai. Et Zillion 2, ça donne quoi, déjà? Hop. Oh mais stop, mais stop, mais stop, mais non, mais comment j'ai perdu? Le feedback de... Le feedback quand tu perds la vie, il est pas... On va dire qu'il est... Il est ce qu'il est. Hein? Parce que j'avais vraiment pas vu que j'avais plus de vie. J'avais vraiment pas vu. Là, on va faire gaffe. Oh non. Oh là là, et je continue à perdre de la vie. Oh, ah oui, d'accord, la bouboule. La bouboule m'a fait très très mal. La bouboule m'a arraché, ouais. Un jeu d'action pur paraît-il pas ouf? Est-ce que t'as essayé? Oh yes. Ouais, vas-y, tue-moi, là, c'est bon. J'ai essayé de me mettre dessous, Non mais c'est pas grave. Ouais, très bien. C'est très très bien. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de niveaux. Je commence à faire le lien là. Très bien. Aucun énervement. Pfff.
Voilà, petite pomme. C'est bon. En fait, il m'a fait perdre ma vie pour me la redonner. Voilà. Typical. C'est peut-être pour me montrer que c'était de la vie. Non, je sais pas. Là, il y a de la vie. Je sais pas. Alors, peut-être que quelqu'un se pose la question, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Alors, il y a une raison. Il y a totalement une raison. C'est que... Vous savez que ça fait partie des premiers jeux qui sont listés quand tu regardes les, bah, quand tu regardes en ordre alphabétique la liste, toute la ludothèque de SNES, voire de Mega Drive. Alors, c'est pas ma faute. Moi, je l'ai vu dans la liste souvent. Enfin, il est très souvent passé. Au bout d'un moment, moi, je me suis fait bait. Je me suis dit, bon, il va falloir essayer au bout d'un... Enfin, il va falloir essayer. On aime bien les petits jeux d'aventure, là. Et là, tu vas me dire... Ouais, mais... Enfin, t'es pas obligé de te faire bait par tout l'univers. Oui, bah, écoute. Va me dire une fois si tu... que tu t'es pas fait bait. Hein? S'il te plaît. On s'est tous fait bait. Hein. Même toi. Hein. Je comprends pas le vieux. Le vieux, parfois, je lui mets un coup, il meurt. Parfois, j'ai l'impression... J'ai besoin de lui mettre trois coups. Je comprends pas. Genre là, un coup. Là, le vieux d'en bas, un coup. Et pas là. Là, le vieux, pas un coup. Pas compris. Se faire bait par le croc, c'est déjà pas mal. Oui, c'est... Oui. Les gens de nuit se sont dit, notre jeu est au sommet des... Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui aiment au jeu, c'est sûr. Voilà, là, un coup. Trop bien. Feu. Mais si le vieux te touche, t'es foutu quoi. Là, vieux. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer de monter? J'ai pris un coup. C'est bon, on n'a jamais été allé aussi loin. Et là, je vais tomber sur un vieux. Mais non, mais what? Hein? C'est moi quand j'ai de tourner. C'est pas ma faute! Ah là, je suis sûr, c'est pas moi. Autant parfois, je veux bien dire que. Voilà, je. Hein? Mais là, c'est pas moi. Ah, il me dit de monter. Faut tuer tout ça en fait. Ah oui. Oui. Le parce que là, en bas à droite de l'écran, il y a ce chiffre là, et je pense que il a un lien direct avec le nombre de. Oh non. Oui. Oh oui. Non. Je te chie. Bon toi bah je te tue pas en fait. Hop. Et là bah, je peux sortir. Hop. Voilà. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un truc. Regardez. Hop. Voilà. Je viens de faire ça. Et vous savez pourquoi je l'ai fait?
Je pense que vous savez pourquoi je l'ai fait. Et ceux qui l'ont suivi cette dernière semaine savent pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Et là, meilleur jeu. parce que c'est gratos. Ah non, 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 non. Ah non, il n'y a rien de gratos là-dedans. Et il le sait lui-même. Il sait pourquoi j'ai fait ça. Il sait pourquoi j'ai fait ça. Il le sait. Mais là, il a voulu me bait. Et on peut pas que toujours gagner. On peut pas toujours gagner. Mais vous inquiétez pas, quand il va revenir, il va dire bah non, j'ai pas voulu bait du tout. Parce que Yellow pratique ce qu'on appelle la mémoire sélective. Quand tu fais ça, le jeu, sérieusement, t'as quel âge? Donne-moi de la vie. Je couche pour de la vie. Tu l'as pas, ouais, mais il y en a qui ont les hameçons, mais face à un marteau dans ta face, ça a un peu d'intérêt. Musique est surprenante. Ouais, musique est surprenante. Elle est pas. C'est pas la meilleure musique. J'aurais peut-être pas choisi cette musique pour un jeu comme ça, mais après, je sais pas, peut-être que ça fait partie du film. Qui a vu le film là tout à l'heure? Quelqu'un avait dit qu'il avait vu, il avait vu le film. S'il a. Des infos. Oh là, par contre, je me fais rouiller dessus. Les trucs qui m'envoient des. Des kunai là. Ah ouais, non, mais ouais. Vraiment. Par contre, le second. Enfin. Je peux balancer parfois des kunai et je comprends pas. Je me dis, bah, c'est parce que je suis à full life et en fait, non. Du coup, je comprends pas. Là, j'en ai pas. Je dois avoir un objet. Il doit avoir un objet qui me donne les kunai. Ça, là. Voilà. Quand le truc bleu, ça me donne les kunai. Et ça me donne les kunai pendant tout le temps? Voilà. Oh là là, dommage. Là, je me suis fait toucher. Et je pense que dès que tu te fais toucher, ça te l'enlève. Ouais. Non. 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 Oh, c'est tellement dur! J'ai un PV. Mais le jeu répond bien. Les contrôles sont pas mal. Oui. Pas de la vie. Oh, les contrôles sont pas mal. Bonus room. Oh! C'est comme dans... Hospital in Tokyo, ouais. Oui, bah de toute façon, il se passe quelque chose.
Voilà. Tiens. Bon, je crois qu'il y a un méchant, hein. Il doit avoir un méchant, hein. Bah d'ailleurs, Radius, t'as vu le film? Attends, c'est Radius hein, qui a vu le film? Félicitations! Merci, Ecliptique. Merci beaucoup pour ton 27e mois, bien le bonjour. C'est ça, hein? Bah si t'as vu le film et que t'as des infos à nous donner sur l'histoire, je t'en prie. Je prends. Oui, c'est Ninja Kids, ouais. Pas à quoi sert les sacs à dos. Ouais. Va falloir que je descende. Hein. Là, je viens de gagner une vie ou de débloquer un de mes potes. Ou alors, non, faut sauver des gens là, je pense. Rentrer là, non? Faut aller en bas. Hein. Oh! Meilleur jeu. Meilleur hitbox. Meilleur jeu. Donc là, le jeu est un petit-fils. En gros. J'avance hein. Le jeu est un petit-fils parce que il fallait passer par en bas et après obligatoirement il fallait repasser par en haut après. Ouais. 3. Je sais pas ce que je récupère en fait. Des sacs. Ah c'est des sacs à dos maintenant. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois récupérer? Le jeu! J'aime pas les jeux où tu récupères plein de trucs, tu sais pas ce que tu récupères, il faut regarder le manuel pendant 8 ans pour comprendre que, en fait, t'avais certains objets. Enfin, t'as certains. Enfin, ah, je comprends rien. Secours! Ah, attention. J'ai récupéré un truc. Tu comptes faire Metroid? Non. Non, non, non. Parce que je n'ai pas Metroid Dread. Voilà. Aussi simple. Alors dans le film, il y a le grand-père Mori doit amener une arme traditionnelle au Japon pour qu'elle soit remise au vainqueur d'un tournoi. Il est piégé et un accident de voiture, on lui vole la dite arme. Du coup, ses petits-fils partent au Japon pour retrouver l'arme et participer au tournoi. Ok. Et donc là, on est déjà au Japon, là. Où on y va? Parce que là, il nous a dit qu'il était à l'hôpital. Il y a eu l'histoire de l'hôpital. J'ai 17 secondes là pour terminer. Autant vous dire que ça va être compliqué. Surtout que je sais pas ce que je cherche. Enfin, c'est 17 longues secondes. Mais le jeu, je sais pas ce que tu veux. Ah!
D'accord. C'était peut-être ça. Et ben, c'était un boss peut-être. Faut peut-être tuer cette personne. Non, pas encore. On n'est pas encore chez lui. Il cherche de quoi partir au Japon de mémoire. T'as des bombes. Ah, j'ai des bombes. Oui, j'en ai 57. Ah, c'est pas des chaussures. C'est des bombes, c'est pas des chaussures. Ah, mais oui. Bah, bien sûr, ça ressemble à des bombes. Ah ouais, le problème des bombes, c'est que... Bah, c'est que ça va pas le toucher, en fait. Bah, écoutez, ça ressemble à des chaussures. Hein. D'accord. Ah bon, c'est bon, regardez l'écran là et dites-moi que. Enfin, franchement, voyez-vous. Vous aussi, vous voyez les chaussures. Là, je suis sûr que chez toi, tu vois les chaussures. Des sabots. Oui, des sabots. Ah, tu les vois ? Bien, tu les vois. Aïe. C'est une... Pour toi, ça ressemble à des bolasses. Ouais, mais... Non, mais si vous voyez les chaussures, c'est bon. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais c'est... Par contre, c'est super dommage. Le jeu est vraiment pas mal. Mais... C'est un peu le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le bordel. Si vous avez jeté des niveaux infects en 3D. Waouh! Yes! Dommage, on n'a pas fait la bonne version. Ça, je comprends pas. Non, non. Comment je me protège? Il y a un truc pour se protéger dans le jeu, je pense que j'ai pas là. Je sais pas. Genre ça? What? Ah oui. Non, mais ça marche pas. Ça ne marche pas totalement. Oh. Oh, j'ai regardé le chat. J'ai voulu regarder le chat et grosse erreur. Oh, par contre, y a pas l'air d'avoir de. Y a l'air d'avoir full continu. Et donc. Bah, je sais pas. On dirait Fetcher Quest. Ah non, non, pas ça. Hein. D'accord, bah on récupère des objets. Dont un sac, ouais, ok. Ok, bon. Bah, écoutez. On va faire des trucs, récupérer des machins, et puis voilà. Il se passera des choses. Trop bien. Je sais pas pourquoi certains tu peux les toucher, d'autres non. Pas grave. Voilà. Ça, je l'ai. Ça l'a complètement. Complètement stun, là, le fait que j'ai sauté. En fait, je peux passer à travers les ennemis. Je ne. Vas-y, le jeu, là! Allez!
peux ouvrir le frigo. Exceptionnel. Par contre, ça me tue. Sachant que le jeu est rare. Et qu'il coûte cher. C'est dans ces moments-là où je me dis, mais tu vois, imaginons tu le veux dans ta collection. Et tu te dis, allez, je vais mettre de l'argent. Et que, après l'avoir dans ta collection, tu te dis, bon, bah je vais y jouer. T'imagines, tu l'as payé 300 balles, tu lances le jeu, et tu fais, ah. Bon, bah. Ça ira bien dans ma collection. Imagine la tristesse. Ok. Et là il y a monsieur. Après je dis ça, peut-être qu'il y a certains qui pourraient m'expliquer, non mais en fait faut recommencer 8 fois, et là tu commences à tout comprendre, en fait il y a des ennemis qui prennent 8 coups, il y a des ennemis qui prennent 12 coups, il y en a d'autres qui prennent 4, bah oui, en fait c'est clair, c'est juste qu'il faut bien regarder l'écran. Ouais, faut faire un peu d'effort quoi. Tu fais pas d'effort, bon bah voilà quoi. Logique. Donc là, j'ai pris ce qui me permet de balancer des shurikens, donc qui me rend très fort. Je crois que les shurikens c'est. C'est one shot. Le nombre de vies que je gagne, je crois pas qu'il augmente. Enfin, c'est 10 000 points, 25 000 points, je sais plus combien de points après. Et là, j'ai perdu mes shurikens. Je comprends pas. Je comprends pas! Je comprends rien. Donc là, j'ai récupéré mes shurikens. Là j'ai compris pourquoi je les ai perdus. Non mais je les ai pas perdus. Ah c'est un temps. Mais non c'est pas un temps, c'est peut-être deux coups. Mais non là je les ai plus. Donc d'accord, c'est pas tout le temps. Voilà. Je commence à comprendre. Du coup, les 31 trucs que tu as à gauche des bombes, tu sais les utiliser? Non, c'est des pièces. Ça, je pense que c'est des pièces. Ça s'utilise pas. Hop. Oh, il va me... Mais non! Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Si c'est pas ça... Bah, je sais pas ce que c'est. Donc là... L'objet pour les shurikens, en fait, ça sert à rien. C'est des tokens d'après le manuel, parfait. Ok, c'est bon, là je suis dans la zone, là. Ah ouais, je suis tellement dans la zone, là. Oh là 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 là. C'est bien passé, bah Castlevania, c'est bien passé. Hein. C'est terminé. Bon, c'était sûr, de toute façon, vous allez se terminer rapidement. Hein. Mais j'ai passé un bon moment. Petite note bleue, là, ça fait plaisir.
Soignons. Ok. Et j'arrive pas à savoir si j'aime bien ce que je suis en train de faire là. J'arrive pas à savoir, c'est bizarre. Ah, j'ai chopé un truc, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air quand même d'être random jeu de plateforme. Vous savez, ce jeu de plateforme dans lequel, enfin, avec lequel t'as déjà eu quelques expériences alors que tu ne l'as jamais lancé. Tu vois? C'est la première fois, pourtant vous avez déjà dormi ensemble, quoi. Je suis pas sûr, tu vois, après 10 minutes de Théo, je suis pas sûr que la première chose que j'écris dans le chat, c'est « I'm back » avec un simple principe, tu vois. Je suis pas sûr. J'hésite même. J'hésiterais à me dire, est-ce que vraiment c'est le meilleur... c'est la meilleure emote. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Il s'est fait encore Théo, bah oui. Bah, il s'est fait encore Théo, il se fait pas Théo tous les jours non plus, mais... Mais bon. L'ennemi caché là. T'aurais mis un slip toi? Oh! Le feu? Ouais, il s'est fait Théo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Non mais viens, viens, viens. Paf. Yes. Je me suis fait toucher. Non. Puis on Théo Guilla, comme ça on voit son message de retour. Ah bah non, on va pas Théo Guilla quand même. Hier, il a rien fait. Je crois que ça sera la dernière personne à être Théo, Guilla. Bon, j'ai un PV. Il va se passer un truc nul. Pas encore. Ah, parce que tu penses... T'as déjà prévu? T'as déjà prévu de faire de la merde? Ah! D'accord. Sympa la boule. Non! Hein? D'accord. Je comprends pas. Mais! Non mais, bien vu. Genre juste bien vu. Bien vu le jeu. J'aurais fait pareil. Donc là... Quoi? Je ne comprends pas. Fais des bêtises, Guilla. Non, non, non. Non, non, non. Mais Guilla, il est très bien comme il est. Laissez-le. Ne l'excitez pas plus. On sait jamais ce qui peut se passer. Ah. C'est peut-être un Gremlins. Je sais pas.
Je touche là, non, non, non. Ah, la boule faisait moins mal là? Bah, peut-être parce que c'est une. Bah, c'est une boule différente, hein, c'est sûr. Ça se voit. Hein. Yes! Alors, as many items possible. Avoid the flashing anti-bonus item. D'accord. The flashing anti-bonus item. The flashing anti-bonus item. C'est quoi les bonus anti-flashing? Très bien. Ouais, ok. Bon, on va chercher papy à l'hôpital apparemment. Oh, regardez là, imbattable. 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 Ah, je suis imbattable. Par contre, s'il y a vraiment 5 niveaux... c'est dommage. Parce que... là, je suis déjà au 3ème. Non, par contre, ça, non. C'est quoi qui tombe, en fait? D'accord. Mais pourquoi? D'accord. Si je fais ça... Press start any button... Ah! Oh! Mais attends, non! Oh! Il y avait marqué press start pour to continue et any button will end your, party, quoi. Donc en gros, si j'avais appuyé, si j'avais bourré tous les boutons, bah c'était game over. Trop bien. Est-ce que quelqu'un de sympathique pourrait aller vérifier si... dans le... s'il y a bien 8 niveaux. 6 niveaux. Ou 5... non, 5 niveaux, pardon. T'en vois 7 dans le manuel? Ah, d'accord, j'ai mal dû... bah, c'est parce que les deux les doubles pages, là. Ah, mais c'est le manuel méga CD. Bon. Je vais regarder le manuel que j'ai là, c'est bon. Faut tout faire soi-même, bien sûr. Hein. Non, mais je vais regarder. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Hein. Je commence à avoir un peu froid, quand même. Hein? Vous avez pas froid, vous? Ah mince, je m'étais. J'ai pas envie de mettre chauffage, mais si je vais vers Célia pour lui dire que j'ai froid, je pense qu'elle va être contente et ça m'embête. Alors Jidan a dit 5, parce que là moi je vais regarder 1B, 2A, 2B, 3, 4, 4, 4 2, 4, 5. Et donc ça c'est la page 15. Alors peut-être si je trouve la page 16. Il faut trouver la page 16, qui doit être plus haut. 16. Practice, practice, practice. Watch your left meter. Fighting will... while... ouais, ouais. Félicitations! Merci, Kubei. Merci pour ton 37e mois. Password are... after the most round...
Write it down. Ouais, ok. C'est l'adaptation de Ninja Kiwi. C'est fou quand même. Imaginons. Lilo, que ça fait à peu près 30 minutes qu'on en parle. Imaginons. Et en plus, imaginons que ça fait en plus 30 minutes qu'on dit, parle film, film, musique, film. Non mais imaginons. Grande imagination. Je suis sûr et certain. Ah oui, bah tu t'es peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on les tape pas en se chiant. Franchement, taper les ennemis, c'est relou. On comprend rien. On comprend R. Bon, bah, terminé. Pourquoi dans le manuel il s'emmerde à mettre 2A, 2B? Oula! Ah, donc elle, ça doit être la méchante qui. Ouais. Ok. D'accord. Ok, il s'est passé un truc. Il y avait un boss, hein. Ce qu'on appelle un boss. On est déjà au niveau 4. Non. Non mais j'ai pas prévu le prochain jeu. Par contre, j'ai pas prévu le prochain jeu. Il est quelle heure? Midi 18? Oh non, 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 non. Non mais il va falloir faire du setup là. C'est bon, on est au Japon là. Comment? Mais... Par contre... Ah, on voit pas le jeu? Ah non, vous avez pas vu? Oui, vous avez pas vu? Mince, j'ai pas remis le jeu. Oh non, en plus je vois mon écran en gros en plus. Bah attendez, ça tombe bien. Non mais je vous ai trollé, vous avez même pas vu le boss. Hop. Parfait. C'est bon, voyez le jeu. Refait, on n'a pas vu, c'est pas grave. Dites-vous juste que c'était pas intéressant. Bah en fait, ce que vous venez de voir, c'est un peu ce que Yellow y voit. C'est fou, hein. Voilà. Vous venez de vivre dans la peau de Yellow pendant... Pas bah pendant une minute. Ça avait l'air super intéressant. Hop. Hop. Je prends juste mon... Hop. J'ai juste préparé. Comme ça sera prêt. Ouais, Yellow doit juste voir... Comment je fais pour monter? Il faut que je monte, je pense. Ou alors, non. Je sais pas. Je veux monter. Je peux monter? Là, je peux monter. Hein? Quoi? Je comprends pas. C'est pas grave. Donc là, je peux monter. Mais oui! Alors, donc, là je peux pas monter, là je peux monter. Ok, donc j'ai compris. Ça y est, je l'ai. On va prendre un peu notre temps. Désolé hein, pour le changement de scène, c'est ma faute. Hein. En plus, je regarde à chaque fois, il n'y a aucune excuse.
Y'a vraiment aucune excuse, c'est nul. Hop. Vous avez le droit, tout à fait le droit, de vous énerver, de taper par terre. Ouais, donc les ennemis c'est chiant, donc j'ai décidé de pas les taper. Voilà. Tu vas faire. Je fais ce que je veux. Unravel 2, ouais. J'espère qu'un jour ils font Unravel 3. Quand je pense. J'ai un doute, hein, mais. Mais bon, c'est jamais. Oh l'enfer! Tout ça pour ça. Ah, c'est tout! Ah, ça me redonne toute ma vie, ça! Très bien. C'est pas un coupable. Alors, on peut monter là. Oh, il y a un truc en haut là. C'est vrai parce qu'on est passé. On est passé assez vite. De le jeu est difficile à le jeu est trop gratos. C'est fou, hein. Et là, si ça se trouve, le boss de fin, il va être horrible. Je vais chialer. Je sais pas. Pire boss. On est sur une bonne tiédeur. Oui, oui. J'étais pas sûr, tu vois, de te dire. Mais ouais, je pense qu'on est tiède là. Ouais, ouais, c'est tiède là. Ouais, clairement, ouais, c'est tiède. Oh, trop bien. Ah, trop bien, fallait rester en haut. C'est Emo. Emo! Ah, Emo! Emo! Emo, Emo, donne-moi la. Est-ce que tu peux me donner la. J'en suis sûr que tu connais toi là. Toi là, t'aimes les jeux vidéo, toi là. La code de ce jeu là. Ok. Je connais pas ce jeu en vrai, c'est quoi? Ah! Ça s'appelle 3 Ninjas Back, qui est une adaptation d'un film sorti je ne sais quand. Mais je crois que c'est un jeu qui coûte cher. C'est pour ça que je te demandais. Moi je me suis dit, bon, tu collectionnes, tu dois connaître les jeux chers, tu vois. Mais t'as pas l'air d'être un vrai collectionneur là, t'as l'air de collectionner les jeux qui t'intéressent. On peut pas discuter. Ouais, c'est de la Super NES. Bah, la musique. Ça s'entend tellement. Enfin, apparemment non. Mais au secours. Je cherche si je peux, j'évite. Ah non, mais je. Tu me surprends. Enfin, tu me surprends, je savais pas. Je suis surpris. Je sens que je vais prendre et mourir. Ah, quoi? J'ai récupéré quoi? J'ai récupéré de la vie, je sais pas comment j'ai fait. Ok, bah, pas de soucis. Après, c'est pas obligé, je pensais vraiment que tu connaissais. Si tu connais pas, c'est pas grave.
You must take the dagger to the temple and give it to Grandmaster. If you can, try to find the eight, que je ne sais quoi. La musique du premier niveau sur AMD, c'est abrasif au passage. Ah bah? Ah donc tu connais bien le jeu? Ah on est bien au Japon là. Oh là là, là, écoutez, je crois que là le jeu vient de me dire on est au Japon. Je pense, il vient d'hurler dans mes oreilles. Presque sûr qu'on y est là. Ah, je m'y crois. Bah, les bambous, les ninjas. Oh bah. Ah, pas sûr là, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Je crois que là il y a autre chose qui vient de se. Ouais. Bien sûr, qu'est-ce qui manque? Il manque des carpes. Peut-être quelques carpes, s'il vous plaît. Mais par contre, vraiment, taper les ennemis, c'est une mauvaise idée. Hein, dans le jeu. Faut pas taper les ennemis. Hein. C'est une mauvaise idée. Ah, et on te redonne toute la vie. Très bien. Bon, après, faut que je récupère des trucs, là. Donc, ouais. Faut que... Non, faut que... C'est pseudo. Je dois choper les cages, ouais. Ça devait être ça qui m'a dit, essaye de choper les cages. D'abord, très bien. Mon lien est pas relou. D'accord. Et ce qui est bizarre, c'est que pour l'instant, j'ai jamais trop suivi un chemin, le bon chemin. Je suis un peu parti dans tous les sens, et le jeu m'a jamais puni dans le sens, tiens, il y a un truc à récupérer au début du niveau et tu n'y es pas allé. Je trouve ça bizarre. Comme si le jeu était sympa. Comme si le pathfinding, il était bon. Oui, bon, la musique, oui. Abstraction. Oui. Bah, après, moi, on m'a dit sur Super NES, meilleure musique. Par contre, pourquoi je peux pas rentrer là? Allô? Mais j'ai fait l'année. Pourquoi je peux faire? Enfin, j'y suis arrivé une fois. Je suis bloqué. Je suis Keblo. Au secours! Tout se passait bien. J'ai fait un compliment au jeu. Et le follow-up au compliment, c'est casse-toi. Je viens de te faire un compliment là! Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Si en plus, bah non, je peux pas revenir en arrière. Ok. Ah oh non, je vais perdre du temps. Ah bah non, ça c'est nul. Ah bah note rouge. En plus là, on était sur une petite note. On était sur une note orange qui pouvait totalement se transformer en note verte là. Non mais il veut pas me laisser passer hein. Il veut vraiment pas me laisser passer hein. C'est non, c'est niette. Niette, niette, niette. Et je sais pas quoi faire.
Je pense qu'il fallait... Non mais... Non... Je veux pas mourir pour toi quand même, en plus j'ai toute ma vie. La vie. Non, je peux pas remonter. Bon bah on va mourir et puis... Bah pas le choix hein. Voilà, faut... Faut bien le prendre, hein. Comment ça? Bon, tue-moi là, tue-moi qu'on revienne, que j'essaye de comprendre. Ouais, ouais, chef. Non, le timer, tu peux instant. Non, apparemment. Non. Comment j'ai fait? J'ai fait un truc. Peut-être que quand tu peux te baisser, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. Vraiment, je sais pas. On ne saura jamais. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Ouais. Là, j'ai perdu masse de vie, mais c'est pas grave. Ouais, très bien. Très bien, là. Très bien. Non, très bien. J'ai pris les trois coups à la suite. Alors, on recommence tout. Il fallait tout recommencer. Faut le reset mental. Le reset mental, en plus vous avez pas vu la fin du boss, du dernier boss, reset mental. Hop. Comme ça, c'est moi, ça me permet de pas faire le jeu, l'autre jeu tout de suite. Très bien. Je crois que c'est Iron Sword. Est-ce que notre cher Yoritomo, oui, il y a que Yoritomo qui doit nous donner cette info. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier si le prochain jeu c'est Iron Sword? Si c'est ça, je peux vous raconter. Parce que normalement c'est les dramas arrivent. Hein. Et pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Oui. Merci d'avoir vérifié. Alors, est-ce que Mr. F est là? Mais je peux. Mais peu de versions NES que j'ai trouvé, j'ai l'impression de voir beaucoup de cartes mod pour ce jeu. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, merci d'avoir déjà regardé. J'aime beaucoup. Donc Mister F est pas là, apparemment. Parce qu'apparemment. Enfin, parce que de ce dont je me rappelle plutôt. J'arrive à parler, hein. Pardon. On recommence. C'est un jeu qui m'a été conseillé par Mister Ruff. Et apparemment il est difficile. Et il est difficile. Voilà. Je sais pas de quoi il en retourne. Mais il avait l'air d'être cool. J'ai regardé, j'ai même testé, ça avait l'air d'être cool. Franchement, ça allait. Ce qui ne veut pas dire que ça va être bien. Cependant, vous savez très bien comment ça se passe. C'est, j'essaye un truc, et juste après, une Yoritomo
il y a Yoritomo qui arrive et qui fait alors, j'ai pas tout dit, mais maintenant je vais tout le dire vu qu'on va y jouer. Après, je mens parce que j'ai raté les. Je mens parce que j'ai regardé les logs et il s'était pas passé ça. Mais bon, je veux dire embellir les choses, bon, c'est pas, c'est souvent ici. Mais apparemment, mais je pense que ça va être bien. Non, vraiment, je pense que ça va être bien, Iron Sword. Je pense que ça va être bien. Et on va passer un moment. Mais là, je passe pas un mauvais moment sur ce jeu-là. Donc, comme je passe pas un mauvais moment, bah, je suis embêté parce que le jeu est pas mauvais, mais il est pas non plus. En fait, il est insipide. Du coup, j'ai vraiment l'impression que je peux pas être très sympa avec lui parce que bah, il est vraiment. Ouais. Il est juste. Genre tu le fais pas, c'est pas grave. Genre tu perds rien du tout à ne pas le faire. Ouais, il est plat, C'est plat. Ah, très bien. La version SNES originale était 100€ en loose. Sur MD, c'est 120, 150. Yes! Ah oui, donc, il coûte cher. Merci, Radius, pour ces informations. Après 8 ans, tu le fais... Ouais, je pense qu'à 8 ans, tu le fais en t'amusant, ouais. Je pense. Donc là, j'ai un PV. Mourir. Mourir très vite. Cette petite ce petit surin qui arrive comme ça de nulle part. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui collectionnent les cartes mod? Je me demande, tiens. Parce que ça reste les jeux. Après, il y a des cartes mod qui sont plus ou moins bien faites. Je m'amuse, là. Là, je m'amuse. Tu peux pas savoir comment. Bah, le jeu, mais merci. Vraiment, mais merci. Oh là là, t'imagines même pas. Comme cette phase-là, elle était nécessaire. T'es le meilleur. Tu viens à la maison quand tu veux. Tu viens manger à la maison quand tu veux. J'en ai un, mais c'est Earthbound, car c'est le jeu le plus coté de la SNES et je voulais l'avoir pour jouer sur ma SNES, ok. Le jeu actuel a l'air sympa, c'est quoi? De quoi c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par c'est quoi? Ce jeu-là? J'ai pas suivi.
si c'est ça, c'est 3 ninjas. Comment ça s'appelle déjà 3 ninjas. Back, oui. Ça parle de quoi? De ninja. Voilà. Littéralement. Bon, on doit sauver des gens. Voilà. Ah, c'est Kickback, ouais. Kickback. Bon, c'est des enfants qui doivent... Alors, non. Il y a un vieux... qui devait amener une arme de cérémonie au Japon, et il partait de je ne sais quel pays, bon, des US sûrement. Il a pas réussi car il y a des méchants, parce que c'est des méchants qui l'ont empêché, et il y a ses neveux. Pour une raison, je sais pas, peut-être parce que c'est des weebs qui se sont. Qui ont décidé de le faire à sa place. Pour sauver le Japon. Enfin, pour sauver la compétition. Y a une sorte de compétition. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les enfants, c'est vraiment des vrais weebs. Hein. C'est les vrais. Hein. Tu sens que. Ouais. C'est des fans. Oh mon Dieu. Donc là j'ai fini. Est-ce que je dois partir? Oh l'enfer. Pardon. Parce que là... Jeu de c'est mort. Il va falloir que je fasse le tour. Il me faut de la vie. Est-ce que ce jeu est bien fait? Est-ce que ce jeu est bien fait? C'est pas bien. Et ça va, tu tiens le coup avec la musique? J'entends rien, moi. Tu sais, hein. La musique, j'entends pas souvent. J'entends pas ce qui se passe. Oh, je viens de comprendre un truc là. Il y avait un nombre de continus limité. Oh. Oh. Yes. Oh là là. Par contre, speedrun. Bon là, mon gars. Mais il y a des passwords? Je sais pas. Parce que, en vrai, je sais pas. Parce que, j'ai pas vu de password. Hein. Et surtout, pire que j'ai pas vu de password, je sais pas où tu les rentres. Donc comme tu sais, on sait pas, je sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas. Mais je crois que sur le manuel, il y a marqué qu'il y a des passwords. Je crois, hein. Il te dit, il y a un... Je crois avoir lu password, hein. Le GameFAQ... oui, mais on les rentre où? Est-ce que tu peux demander au GameFAQ où on les rentre, s'il te plaît? Ah!
Oh, magnifique. Il y a des passwords. Sur SNES, je sais plus. Ah, bah peut-être que oui. Voilà. Il y a des passwords, mais pour avoir les passwords, il faut être en... Pas de sword, ouais. Non, mais c'est pas grave. Non, mais il y a trois personnages, donc il y en a un qui a une épée. Donc, si, il y a un sword. Enfin, il y a une sword. Dommage. Dommage, c'était pas mal. Hein. Bien essayé. Bien, wesh. Meilleur jeu. Regardez comment c'est fluide. Regardez comment ce gameplay est fluide. Donc là, il a capturé. Une blague qui aurait pu vraiment être bonne. Ouais. Moi, je crois que ce niveau est pas mal. Hein. Mais vous savez, là. Là, ce qui va se passer. Le jeu, sans faire gaffe, il vient de s'offrir une... Peut-être la note verte. Parce que là, je recommence le jeu. Comme maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Et que le jeu n'a plus de secret pour moi. Je vais avancer hyper vite. Je vais pas mourir. On va récupérer plein de bonus. On va limite s'amuser. Parce que bah voilà, c'est pas très compliqué. Et bah voilà quoi, vous savez très bien ce qui se passe. Hein. Quand on s'amuse, généralement. Je sais. Je sais ce que vous allez dire. Aïe aïe aïe. Alors on s'amuse. Là j'ai qu'une vie. Faut que je fasse gaffe parce que à force de s'amuser. Voilà. Meilleure note Kodama. Oh là là. Ouais ça y est, j'ai plus envie. Non mais là, j'ai plus envie, c'est bon. Non mais Odama, j'ai l'impression que c'est la double peine. Je l'ai fait. Il y a trois personnes dans le monde qui ont dû le faire. Voilà. Et voilà. Double peine, je te dis. Il y avait dans un arbre. Voilà. Il y avait de la vie dans un arbre. Oh là là. Horrible. J'ai gagné une vie encore. Trop bien. Je suis concentré. Je ne regarde plus le chat. Ça se trouve, vous n'existez plus. Je merde. Très bien. C'est la fin. On est arrivé à la maison de tonton. Du coup, c'est un jeu d'adaptation. Oui. Ça parle de password, page 16 du manuel, mais ça dit pas où les rentrer. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Je suis sûr et certain qu'ils ont... Il n'y a pas de password. Il faut que quelqu'un regarde ça sur Internet ou un truc, mais sur Internet via la version bah, Super NES. Oh là, je suis sûr et certain qu'il y a une histoire de... Qu'il y a une histoire de... Tout est biaisé. Peut-être faut avoir un password pour avoir le menu password, mais ça serait bizarre quand même. Hein. Si c'est ça, c'est bizarre. Hein. Mais c'est possible, hein. C'est pas impossible.
Ouais. Oh là, trop fort, beaucoup trop fort. Sur MD, tu... oui, oui, un player, tu as le choix de start password. Ou alors c'est vraiment que en facile, hein. Ce qui serait nul parce que... Bah pourquoi... Moi aussi j'ai besoin de password quand je suis en normal. T'es qui pour m'empêcher d'avoir des passwords? T'es qui? Je suis pas un vrai gamer, donc je m'en fous. Hop. Je suis pas un vrai gamer, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas de 3... j'ai pas une carte graphique 3... j'ai pas une 3080 ou une 3090. Voilà. Vrais gamers, ils ont des vraies cartes graphiques. Moi, ma carte graphique est là. Eh hey, mais attendez! Comme ça, vous allez voir le boss de... Vous allez aller voir, voir l'autre boss, du coup. Donc on a bien recommencé pour quelque chose? Oh là là, pff, pas vraiment. Vous avez de la chance. Oh, vous avez de la chance. Vite, change de scène. C'est un peu le Sekiro des Super Dani. Ça, c'est pas mal quand même, ça. Je sais pas si je l'aurais tenté, mais elle est pas mal. Non, mais le jeu est bien, hein. Le jeu, il est... c'est smooth. C'est smooth, ouais. C'est smooth. Bon, moi, je passe un bon moment. Voilà, voilà. C'est dit. Voilà. Désolé. Désolé. Désolé, si ça continue comme ça jusqu'à la fin, bah malheureusement, ça va être la note verte, les gens vont s'énerver, on va pouvoir dire que ce jeu est mieux que Metroid sur NES, yes, je suis pressé là, je suis tellement pressé. Allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, Snoop Doggy Dog. Mais j'attendais que Nim Nim le dise, mais elle doit aller, elle a dû partir manger, je pense. Arriver. C'est backup. Bon, du coup, c'est terminé, backup, c'est bon. Oh non, mais je suis en train de me faire... Oh, je me suis fait tellement défoncer. Oh, je me suis fait défoncer. Ah, oh, j'ai... Oh là là, le nul. Le nul. Le nul x 2. Oh, le nul x 3. Je suis en train de perdre toutes mes vies. Oh, j'ai perdu toutes mes vies. Le Sekiro des Moïse Mallard. Ouais. Tiens, bah, Emo, je t'ai peut-être déjà posé la question, mais je vais te la reposer. De toute façon, j'adore reposer les questions. Qu'est-ce que tu penses de Moïse Mallard?
Attention, question sérieuse. Tout ce que tu vas dire va clairement avoir un impact sur notre relation. Fais gaffe. Pas encore terminé, j'en suis à 6h, donc je pense qu'aujourd'hui ou demain ce sera plus. Pas de pression, mais bon. Nul. Je me suis fait avoir deux fois de suite. C'est un peu nul. Trois fois de suite. Est-ce que je peux me faire avoir quatre fois de suite? J'en suis sûr que oui. C'est nul ce qui vient de se passer. C'est tellement nul. Emo! Il m'a laissé tomber. Voilà. Bah, j'ai eu ma réponse en fait. Hein. Je pense. Oh non, je vais mourir. Oh! Magnifique. Non ! Oh, j'ai pris le vieux pic ! Vieux pic dans le pied ! Ce vieux pic dans le pied. Honteux. Oui, du coup, dommage. Est-ce que les gens ici n'aiment pas Moï Malar, s'il vous plaît? C'est pour un sondage. J'ai envie de prendre l'info là. J'aime rien, ok, d'accord. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué à Moï Malar en fait? Non, parce que c'est vrai que c'est une question que j'aurais dû poser avant de poser d'autres questions. C'est vrai que mine de rien. Est-ce que vous avez joué à un jeu vidéo? Bon, c'est bon, ça c'était gratuit. J'avoue, là, c'est nul. Non, vraiment, Moï Malar, pas d'expérience? Même pas un petit, là? Allez. Connu Moï Malar quand même. Si, non, c'est pas connu. J'en sais rien en fait. Je sais même pas pourquoi je suis tombé dessus en fait. Je sais pas. Je me fais rouler dessus. Ah, il y a quelqu'un à sauver. Donc si tu sauves pas tout le monde, tu... Hein? Je comprends pas. What? Hop. Paf. Et là, on est là. J'ai un peu joué Moï Malar, mais pas trop pour émettre un avis. Ah, j'ai appris l'existence du jeu sur ce stream déjà. Très bien. C'est fou. Il y a des trucs derrière les poteaux. Quoi. Ah, mais vraiment les pires jeux quand ils font ça. Mais moi, je m'amuse bien là. Oh, j'ai un peu honte de bien m'amuser en fait. Ah, je suis un peu embêté. Oh, je peux pas sortir. Non. Ah, d'accord. Bah, il faut passer par le haut en fait. Il y a un trou. Oh là là, je vois rien. Je vois R.
Donnez-moi des lunettes. Des meilleures lunettes de celles que celles que j'ai. Monsieur Albanette. Albanette, tu as... Je vais te poser une question. Ça, ta réponse va tout décider. Va vraiment tout décider. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'as un peu la pression? Si t'as la pression, c'est que c'est bien. C'est de la bonne pression, tout ça. T'es passé de la Master System à la GameCube, ouah, c'est... C'est rude, hein. Mais bon, sans... Est-ce que tu connais Moï Malar? Oh. Ça, c'est vraiment ma faute, là. J'ai vraiment mal joué. Tellement mal joué. Oui. Est-ce que t'as joué à Moï Malar? Mais non, mais... En fait, il y en a certains qui tombent plus vite que d'autres. Pardon. Bah lui il tombait pas. Alors c'est bientôt le moment du boss. On va pouvoir voir le boss de fou hein, bien sûr. Très bien. Mais là c'est tombé direct. Faut vraiment que... Voilà, j'ai sauvé tout le monde. Je sais pas si ça va changer quelque chose à ma vie. Voilà. Non. Ah non, c'est bon. C'est le moment. Attention le boss, vous avez raté ça. Voilà. Ça c'est un boss. Voilà, c'est terminé. Et après, bah, elle est fatiguée. Technique, hein. Technique, technique. Ok, donc là, faut que j'évite les anti-bonus. Je commence à reconnaître les anti-bonus. Très bien. Et on est revenu, bah on est revenu là. Hein. J'ai quand même 4 vies. J'ai pas utilisé un seul continu. Donc bah on est bien. Mais je speedrun. Speedrunu. Assez violent. Alors attention, c'est du speedrun certes. Mais c'est du speedrun en prenant les bonus. C'est un peu une sorte de... Bah c'est speedrun 100% en fait. Le meilleur des deux mondes. Le super play. Alors là je sais qu'il y a un truc pour récupérer toute sa vie. Il est 13h04, donc on a mis 15 minutes pour revenir là. Dommage. 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 Je me suis pris coup sur coup. Dommage. Encore une vie. Alors pour récupérer des vies, c'est assez simple. Si vous vous posez la question. En gros, c'est soit je récupère 100 pièces, soit... Hop. Soit... eh bien, il y a un nombre de points à avoir. Les points sont en haut à gauche de l'écran. Et les pièces, c'est bizarre. Quand tu chopes une pièce,
Ben, ça arrive que ça te donne plus qu'une pièce dans le compte. Ah, j'ai compris! D'accord. Alors, c'est pas très clair. En gros, il y a des pièces. Oh non. J'arrive pas à rentrer dans le truc. En gros, il y a des pièces grises qui te donnent une. Qui te donnent un. Ouais, c'est une pièce, une unité. Et les pièces dorées, elles doivent te donner 10. Oh, j'arrive pas à rentrer. Non, 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 non. Non, mais s'il te plaît, le jeu, tout allait bien! Arrête! Quoi? Le jeu, il me fait des feintes! Et là, je peux plus rentrer dans le trou. J'ai l'impression que si tu rates une fois le trou, le jeu, il fait bah non. Tu viendras, tu iras pas. Tu sautes trop. Bah, non. Enfin, je sais pas, là, non, non. Non, mais je m'amuse, arrête! Le jeu, je m'amuse, c'est bon, c'est drôle, c'est fun, j'aime bien. Laisse-moi dire du bien de toi, mais s'il te plaît. Allez, 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 allez. Merci! Je suis en train de tout prendre. Après, là, ce qui est bien, c'est que tu peux bourrer, vu que le dragon te redonne toute ta vie. Final, tu t'en fous. Take damage to... Bah non, to lose time. C'est un peu... C'est pas dans le bon sens. Bon, si Celia vient, vous jouez le jeu, hein. Vous lui dites pas qu'il fait froid, hein. Vous lui dites pas que j'ai froid, hein. Je vous fais confiance, hein. Vous êtes des gens de confiance, hein. Vous allez pas, hein. Oui! Astuce contre le foie. Le foie! Ah, contre le foie. Arrêtez de boire, c'est ça? Ouais, je connais cette astuce. Enfin, pour le foie, du coup. Allumer le chauffage? Ouais, mais j'ai pas de chauffage en fait. Pas mettre le chauffage, j'en ai pas. On n'a pas de chauffage dans l'appartement. Donc c'est vraiment. Non mais je sais pas, j'essaye de sauter moins haut. Ça marche pas, hein. Non mais je sais pas, je sais pas. Là j'ai sauté beaucoup plus haut et ça a rien fait. Y a quelqu'un ici qui me mytho, hein. Je sais pas qui, mais y a quelqu'un qui mytho. Attention! Ah là, je le savais. Et là, c'était là. Oh non. Quand on sort t-shirt, le froid, c'est dans la tête. Oui. C'est le gratis. Enfin, je veux dire, ouais. Bah, ouais.
Ah, vous savez, moi le gras, j'en ai. Voilà. Pas de problème pour dire que du gras, j'en ai. Après, de là à dire que j'en ai beaucoup, bon, certes, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Ersatz, bonjour. Ersatz, oh, j'ai une question super importante qui va décider qui va décider la suite de notre relation. Est-ce que tu es prêt? Jouer avec Rocky était chiant à cause de ce genre de trou, il est trop grand. Mais du coup, tu fais comment? J'ai encore les yeux tout collés? Hein? À 13h12? Ah non, 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 non. Hein. Pas ça. Hein. Mais... Stop maintenant. Il y en a marre. Donc là, vous savez que je vais mourir? Est-ce que vous savez? Moi, je pense que vous savez. J'étais sûr. J'ai stream jusqu'à 6h. Et alors? C'est pas, ça, c'est pas du tout une excuse, ça. C'est même nul comme excuse. Non, mais... Non, mais il y a se lever à 13h et se lever à 13h. Voilà. Et là, malheureusement, il s'est levé à 13h, mais pas de la bonne manière. Félicitations! Merci, Fred. Merci pour ton troisième mois. Eh oui, déjà. Ça passe vite, hein. Eh, mais je suis en train de me dire... Vous avez pas les mêmes couleurs, si? Ah si, vous avez les mêmes couleurs. Ah, quoique... ah, je sais pas. Je sais pas si vous avez les bonnes couleurs, en fait, de la console. Ça serait con, quand même, que depuis déjà un petit moment, là, vous avez pas du tout les bonnes couleurs. Venez, on vérifie. Ah ouais? Ah bah non, vous y avez pas les bonnes couleurs. C'est dommage, quand même. Bah, c'est dommage, vous aviez un peu plus de contraste. C'est pas grave. Ça change pas grand chose, de toute façon. De toute façon, si ça se trouve, vous faisiez comme Yellow, vous regardiez pas. C'est bon. Ça va. Parce que je jouais avec Colt Mustang, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça changeait, hein. Il est plus petit, ça va plus vite, ça va aller mieux. Ok. Je suis en décalé comparé à ceux qui bossent le jour, je bosse la nuit en salle de concert. Ah mais voilà! Ben voilà, ben c'est bon, l'excuse passe. Tu es habilité. C'est bon. C'est bon. Tu peux passer. T'as ton badge. Ah non, donc les pièces d'or, c'est 5. Donc là, je vais prendre un coup. Non, c'est bon. Je viens de prendre 3 coups. Si je meurs, c'est Yoritomo qui prend. Heureusement que j'ai confiance en Yoritomo. Jamais déçu. Ah. Allez. Hop. Il m'en reste 2.
Mais par contre, il m'en reste deux et je sais pas aller, je sais pas où aller pour la fin. Donc bah, je suis un peu bloqué. Puis avec les samouraïs là, bon. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, le jeu. Sois sympa. Sois sympa! S'il te plaît. Je viens de te dire s'il te plaît. Et là, tu me regardes et tu dis bah non. D'accord. Les ninjas explosent quand même, on en a pas parlé. Je crois qu'on en a pas... Ouais, on en a pas parlé. Il arrive à me toucher dessous. Honte. Ok, donc là il y en a un. Je crois que en haut il y en a un. Et c'est terminé. Mais je sais pas où aller. D'accord, je me fais toucher mais c'est pas grave. Puisque j'ai récupéré un point de vie. Voilà. Là il y en avait un, parfait. Là il y en a deux, ouais. Ouais, non. Non. J'ai tout gagné, poussez-vous. Le jeu est sympa avec les vies. Hein. Parce que j'en ai perdu masse. J'en ai perdu masse. Et j'en ai toujours trois. Non mais j'avance en fait. J'avance. Voilà. Petite vie. Ouais. Le méchant. This guy, you know. Oui, prepare for the hardest battle. The harder... Il y a 5 niveaux, c'est ça? 5 ou 4? 5, hein. Donc là, c'est pas terminé, hein. Voilà, ça, ça pue, ça. Jidon! Jidon, c'est toi qui m'as dit, je crois que c'est 5. Vu qu'on peut plus croire le manuel. Oh là là, oh là là, je fais n'importe quoi. Ça y est, je fais n'importe quoi, je veux plus jouer. Ouais, mais attends, mais Frozen. Non, Radius, je croyais que c'était Frozen. Oh là là, je sais plus lire. Merci, Radius. Secours. C'est fou, hein. Il y a vraiment des couleurs. Je pense que c'est toujours les mêmes personnes. C'est ça craint. C'est vraiment ça craint. Mais je peux rien faire. Mon cerveau, avant même de lire, je lis autre chose en fait. C'est vraiment je lis autre chose. Mais comment ça, tu m'as touché? Oh, je vais me faire toucher. Ah, je vais mourir. Ouais. C'était sûr. C'était sûr. Donc là, il m'a touché. Bah, Guilla? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Bien Guilla de faire ça là. Non.
Non mais là je peux passer devant lui. Oh là là, et là, et je me dis, c'est bon, je peux passer devant lui et je me fais... Voilà, bien fait pour Malegueux. Hop. Oh là 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 là, je pleure, je chiale actuellement. Merci. Je trouve des solutions pragmatiques et pas un merci. Ah mais non, mais je veux pas les emotes de... Non, non, mais on s'en est sorti de ça, j'ai pas envie de retourner dans ça. Hein. Pourquoi retourner dans des situations qu'on a réussi à arrêter finalement. Oh, trop bien. Voilà. Par contre, on dirait qu'il vraiment il est tout nu. On dirait vraiment qu'il est tout nu chez moi. Mais en bas ça. Non, il s'est retourné. Oh, il a pas le droit. Ouf. Tu vois en slip? Ouais. Très bien. C'était quoi la question? Est-ce que tu as joué à Moï Malar? Oh, mais comment ça? Qu'est-ce que c'était? C'était totalement gratuit cette pierre-là. La gratuité de ce qui vient de se passer. De d'autres emotes, c'est très bien. C'est très très bien. Je suis vraiment très content pour toi. Ah bon. Faut récupérer ça. Non, ça te dit rien, d'accord. Bah c'est pas grave. Félicitations. Merci Vol. Merci pour ton 10e mois. C'est très gentil. Bien le bonjour. Hop. Ah, ça glisse. Bah oui, parce que c'est de la. Ouais, c'est de la glace, oui. Donc ça glisse, bien sûr. Elle est bien la musique, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Elle est exceptionnelle. On dirait une alarme. On dirait vraiment une alarme. Je suis sûr que c'est une alarme. Ah là là. Ah, comment on fait là? Allô? Mais...
Qu'est-ce que c'est que ça? Moi Malheur, j'ai du mal à... Moi Malheur, M-O-I... M-O-A... Non, M-O... Pas M-O, M-A-U-I. Malheur, M-A-L-L-A-R-D. Oh, eh ben... Pas facile, hein, moi aussi, hein. Pourtant, je me suis pas levé à 13h, hein. Là, ça doit être la fin, non, j'imagine. Non, mais si tu connais pas, c'est pas grave. Hein. C'est bon, je me suis fait une... Avant que t'arrives, je me suis fait une raison, là. Je me suis fait une raison, j'en connais pas. Oh! Allez. Vous savez ce que ça veut dire là, qu'il est l'heure et il va falloir bientôt arrêter? Est-ce que vous, je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soir, on recommence le jeu. Et là, normalement, chez toi, tu dois te dire yes. Ah, y a un truc derrière là. T-bait. Hop. De toute façon, on verra. Ce sera fini en 30 minutes. Oui, oui, surtout. Sûrement. Voilà, je crois. Oh! Oh, le petit-fils de sa maman. Bah non, mais il est bien, le jeu. Oh, Yoichi, tu vas pas commencer. T'as juste dit bonjour, en plus. Par contre... non, mais ça... Ça... C'est 3 coups. Ok. Non mais là il y a un truc qui va pas aller. Et vous savez, et vous le savez que ça va pas aller. Faut que je passe par là. Je suis sûr que c'est par là qu'il faut passer. C'est un bait en bas. Ouais, c'est un bait. Je suis sûr que c'est un bait. Et on revient super loin. Bah oui, on revient au début du niveau. En fait, il aurait fallu revenir en arrière. Ah, mais non, je pouvais pas. Ah, mais du coup, c'est pire qu'un bait. C'est pire que tout. En gros, le jeu... Ah, j'ai oublié celui-ci. En gros, le jeu, il te place pour te faire bait. D'accord. Il te place un... Hein? Ah. Oui, merci. D'accord. Il te place un raccourci, mais... Enfin, un checkpoint, mais... C'est... Ah. Non. Hein, quoi? Mais le checkpoint... T'es obligé de te prendre deux coups? Ah, je comprends rien. Ah, c'est tellement dommage. Je t'en supplie, le jeu, sois sympa. J'ai dit note verte. Sois sympa. Stop.
Enfin, sois pas une soisse. C'est fou les jeux de... avec lesquels t'es sympa et tu te prends quand même, tu te prends quand même la fou... enfin tu prends tout. Allez. Donc là il y a des trucs. Ou c'est la suite. Non, faut aller en haut, faut aller en haut. Faut aller en haut. Ouais, trop bien, c'est pas grave. Paf. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Très cossu. Très cossu. On est bien. Non. Compteur qui reste bloqué à 4. Bah c'est normal, j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais pas comment les tuer ces trucs là. Ah oh. 3. 3. Non. Non. Vous n'avez rien vu. Ils n'ont rien vu. Mais je crois que le jeu est pas mal fait. Dans le sens où, si je ne récupère pas ce dont le jeu a besoin, il s'en fout. Il n'y a juste pas de bonus. J'ai rien dit. Mais si, il en a rien à faire. Il en a rien à faire. The Legend was true. Ah, apparemment. Ah, non. Goodbye. Ah, non. Il s'en fout. Le jeu s'en fout. Ok. Je pense pas que ce soit le boss de fin. Si ? Comment tu sais, Darkflow ? C'est le méchant du film. Ah. Totalement rolento, j'avoue, c'est totalement rolento. Par contre, j'en suis à peu près à 300 coups. Si on peut s'arrêter là. Merci. Mmh. Mais non, escape! Mais non, c'est pas terminé! Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Mourir après le boss de fin d'un jeu, c'est la pire. Ah, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Oh, la pire chose!
Je suis tellement pressé là. J'ai pas le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps. Là, tu vois, le jeu, il me dit, prends ton temps. Je fais, bah non. Je peux pas, là. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. JPP. Oh, par contre, il faut pas que je me prenne des coups. Pas comme ça en tout cas. Oh, je sais pas ce que j'ai pris. Oh, j'ai pris un random là. J'ai tellement pris un random. Monsieur Random. Peut-être qu'il n'y a pas d'escape si tu récupères les 8 trucs. Alors tu crois que là maintenant, pour vérifier, je vais tout faire. Là vraiment... Non. Nouveau record. Merci, Opi. Merci beaucoup. J'ai failli mal le dire. Bienvenue. Et merci pour le raid. Ça fait plaisir. Oh non. Oh non. Non, vous avez vu le... Vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer. Yes. Bienvenue, bonjour. Je vais game over et on va devoir recommencer tout ce soir. C'est sûr. Je vous le dis. C'est marqué. Après, là, pour ma défense, quand même, les hitbox, c'est pas les meilleurs. J'en ai vu des mieux. J'ai vraiment vu des meilleures hitbox. Là, celles-ci, elles sont pas folles. Tu me sais. Ah oui, une petite safe state. Ah, oh, ça serait super cool. Allez, on fait ça. C'est vraiment les pires. Et pire. Les pires. Donc là, il y en a un autre. Ok, donc là, je viens de récupérer une vie. Enfin, je viens de récupérer de la vie. Ouais, une cestette, pourquoi pas deux, bien sûr. Non, alors toi, tu m'auras pas. Il m'a eu quand même. Mais là, le problème... Le problème, vous le connaissez. C'est que... Là, je suis embêté. Parce que... Non. Oh non, 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 non. Même si j'arrive au boss. Oh. Même si j'arrive au boss, il va falloir faire l'escape. Déjà, il va falloir faire le boss. Il va falloir faire l'escape sans mourir. Et là, il va pas me redonner de vie. Voilà, ouais, bon. Speedrun du boss, bien sûr. Oh là là, oh là là, oh là là!
Par contre, là, le boss, je l'ai clac, clac, clac. Trop bien! On va remourir au même endroit. Et là, faut arrêter, par contre. Oh, j'adore! Oh là là, oui! Bravo! Bravo! Félicitations! Ah non, j'applaudis ça! J'applaudis! Bravo! Voilà! Félicitations! J'ai décidé de me tuer moi-même en me balançant contre un mur. Enfin, contre la boule. Juste avant, on teste un truc pour savoir si on banne qui on banne. Parce que là, j'ai mis en easy. Normalement, il y a un password. Ils sont où les passwords? Allez, c'est parfait. Bonjour HMZ. Du coup, yes, c'est parfait. Non mais je suis une boule de nerf en fait. Actuellement, je suis juste une boule de nerf. Du coup, voilà. Vu que je suis une boule de nerf, on va faire ça parce que ça me fait plaisir, bien sûr. Là, juste, ça a fait ça, c'est parce que quand j'appuie sur slash, ça rappelle, ça va chercher la dernière commande que j'ai faite. Donc, bah, ça va chercher slash timeout yellow croc 1. Voilà, c'est pas ma faute, c'est juste pas ma faute. Donc, voilà. Ça va? J'ai un peu froid. Ouais, je vous envoie chez Nim Nim, je vous remercie d'avoir été présent. Nous, on se dit à ce soir pour la fin de ce jeu. Et pour le début d'Iron Sword, ça va être bien. Un jeu NES. Et on va pouvoir mal parler de Mr. Ruff, car c'est grâce à Mr. Ruff que l'on joue. Et à Yoritomo également, parce que je crois que Yoritomo avait aussi discuté de ce jeu-là, je crois. Je suis pas sûr. Mais même si c'est faux, à la limite, on dira que c'est aussi sa faute. C'est pas très grave. Voilà. Fait froid aujourd'hui, hein. Fait froid. Des bisous, à ce soir, merci d'avoir été présent, bon appétit.